J'croyais plus en la vie, rien que je fumais la frappe. Enfumé toutes les nuits, les rêves passent à la trappe. Pas les couilles ton avis, poto lâche-moi la grappe. On a pris des risques, on avait trop la dalle. Ça pointe à la spip, les frérots en cavale. La faute à l'autrice, la justice est loca. La vie d'un loca, les folles à l'hôtel. On a perdu la boule, les boulettes sur la moquette. Yeah, yeah. À Marseille, ça vend du shit et de la chloroquine. Ça prend des années fermées, ça libère les pédophiles. Elle veut bouillave, trop coquine pour être ta copine. Je suis en terrasse, jus de goyave pour le crocodile. Yeah, les temps changent et putain, fais pas belle haine et tu me salues que ça parle mal, cousin. Je suis dans un putain d'engin, je fais danser ta frangine. On est venu braquer la vie comme le casino d'Anguin. Toute la noche, et les frères sont scotchés. Pacte haine sur un rocher, ça rêve de trophée. Sur la musique, ça m'est décroché, on était fauchés, hein. Aujourd'hui, ça rentre en boîte en full Dolce. J'ai jamais pris la marche, j'ai jamais fait le monstre. Regarde à 8 en main, j'ai personne dur à la montre. J'ai relevé les manches pour donner à graille au monde. Quand je vois le ciel orange, je pense à la fin du monde. J'suis du secteur Aziz, ou pour ça que j'aime le 10. J'ai planqué dans mes bijoux de famille mon bout à 10. Ma mère mon paradis, qui la préserve la maladie. Souvent les nerfs à vivre, j'vais prendre un flash à la lime. Un quart de siècle à trop sonner, j'entends les flingues sonner. Je chante pour mes abonnés, est-ce que vraiment tu me connais? Ils aimeraient tous nous coller pour pirater les données. Mais tout ça je le sentais, faire tout ça je le savais. J'ai gagné les tournois, je leur ai laissé la coupe. J'ai dû découper pas mes couplets qui m'ont ramené la soupline. Le rap c'était ma poupée, vu sa fouffe. On m'a dit mec, joue la cool. Après mon passage, tu peux faire du hula hoop. Fais-moi démarrer moteur de Subaru, la routine. La rue m'a rapporté des thunes et la justice m'a tout pris. Je pardonne pas, mais j'oublie. Nage au milieu des rookies. Respecte-moi, il y a des chances que ta daronne c'était ma groupie. Touche tard, depuis la cité Carter, je viens du shoot star. On représente Marseille. On apprend de tout le monde, et même des plus jeunes. Le vêtement le plus beau n'est pas forcément le plus cher. Hey, hey, gosse du pendo. J'arrache le sol comme si j'avais volé le benzo. Faut que le taulier, je vais crever comme le pendo. Hein, ces fils d'up qui mettent les yeux comme le fendo. Hey, expliqué, compliqué. Je rentre dans la partie à la ZPK. Plus rien ne m'étonne, laisse-moi trop à part. Je veux ma peur de pas plaire, pas là pour les checker. Ouais, je connais le tourniquet. Je vais crever où je dois, pas là pour tout niquer. Le monde me doit rien, je te dois quoi? Je te le dis pour toi, très courtois, pourquoi polémiquer? Aïe, merde, il a l'air à terre. Il se prend pour le pater, fausse patèque au poignet. Non, je peux plus le voir comme Gilbert Montagnier. Il fait le show en équipe, conduite à mon panier. Les doigts sur le maillot, la calache est sortie du chapeau, roue arrière sur le Prado, y'a 800 chevaux sous le capot. Sans que j'essaie en brouille, j'ai mon pétard. S'il bouge, ça fait faire le grand écart. J'ai vu trop de VDH dans mon décor. Évitons d'être sérieux vers le vieux. Les fric sont dans les cifles, le local sans la résine. On a des gros caissons aussi, les sous pour la révision. Que ça parle en mandarin, qu'on faut sortir du ticket. Je vais faire 800 cette année, que tu l'as à critiquer. La meilleure ace en vrai, le hasi ferme à minuit. Le PMI tire le rideau, on joue au poker au rami. Les gants bien serrés, qualité fougante, ça remonte au criminal. J'ai grandi avec ça, 13, 14, IM et 15, le Var et Corsica. Que des brigands, et ça tue pour pas un cas. Tout ce qu'on fait pour manger, sur ma mère chabraïde. Et de janvier à janvier, j'essaie de rester là. Bébé, j'essaie de pas me faire pincer. Guinée, Guinée, mort, ils ont pas compris. Je rappe comme si j'étais chauve, comme si j'étais pauvre, comme si j'étais mort. Je vais fumer, fais-moi deux, je vais respirer fort. Je vais te faire rentrer à la rame, comme si tu t'étais pas mort. Hein. Ça me dit si en bruit, j'ai mon pétard. Si bouge, je leur fais faire le grand écart. J'ai vu trop de BDH dans mon décor. Évitons d'être chargé vers le vieux port. J'rappe sous la canicule, un 3 matricule. Personne manipule, y'a plein de bâtards dans le radar de recul. Dans ma bulle, j'fume que de la purée, j'suis dans le véhicule. Ils sont pas contents quand tu perds, s'ils aimeraient dire véhicule. Hein? Contre les fils de pute, tu pas immunisé. La misère ça fait peur comme des mecs qui rentrent chez toi déguisés. Maintenant j'suis parano, même quand je vais pisser. Tu me dois des papiers, j'm'en fous combien tu dois aller pisser. Guetteur au taquis, jobber cagoulé. Que des matrixés, dans la zone ils aiment pas les poulets, m'ont pas vu débouler. J'fais des tours dans la warzone, j'ai mon poisson dans les couilles, il fait tomber vers les mollets. Écarte des volets pour trouver bonheur dans maison dorée. L'avenir. Hey, toujours dans les temps, toujours à la feu. Pourtant j'ai plus de 40 piges, j'ai pas stoppé la fume. J'envoie la fusée car j'ai visé la lune. Doucement je peux brutaliser juste en sortant ma plume. Ça vient du 6-9, frère Big Up au 9-3. J'habitais dans 9-4, pourtant je viens du 1-3. Posé dans l'appart avec mes big brother. Tu sais, en train de jouer aux cartes, on est sous Jarfire. Game Rover, mes srabs arrivent en Range Rover. Ok, réglons les affaires avant que je parte.
valeur. C'est fou, l'inspiration arrive quand je la cherche pas. Ma réaction quand je les écoute, bouge pas. J'en ai vu trahir, ça a changé. De te manger, rien que pour changer. Que des propos, des discours sans gêne. Fais attention, je peux te mettre en danger. Les plus gros jaloux, c'est ceux que ton cœur abrite. Parle dans ton dos, après viens me sucer la bite. 40%, je faisais déjà la gif. Assise dans la wagon, ouais, donne-nous le goal. Prêt pour le départ, ouais, donne-nous. Si tu tiens pas l'alcool, tu vas te manger des bas. Let's go, diplomatico, pour calmer ma arme. Tu me cherches, attends mon loulou, regarde comme on débat. Samedi c'est en brouille, j'ai mon pétard. S'il bouge, je leur fais faire le grand écart. J'ai vu trop de BDH dans mon décor. Évitons d'être sérieux vers le vieux port. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue à cette seconde soirée spéciale très organisée. Merci, merci encore à vous d'être devant le YouTube d'Oreille de Platine et également sur l'Instagram de Deezer. Bienvenue. La première soirée de lundi a été une vraie réussite. On vous en remercie encore vivement, vraiment très chaleureusement. Et on sait que cette soirée va être encore plus historique, encore plus grandiose avec plein de nouveaux artistes. Vous l'avez compris, il y aura des freestyles, il y aura des lives. Il y aura encore des échanges avec les artistes. Et avec moi, toujours pour m'accompagner, Narges Bahar. Narges, comment tu vas? Ouais, ça peut caler avec un accueil pareil. Franchement, je suis jaloux de l'accueil qu'on te réserve. Mais non, vous m'aimez ou pas, les gars? Vous m'aimez ou pas? Faites-moi un maximum de bruit. Mais évite de traîner chargé dans le vieux port quand même. Évite de charger dans le vieux port. Oui, et alors donc on va enchaîner avec une petite présentation de cette table assez incroyable et déjà bien. Je dois juste rappeler, juste en raison du couvre-feu et des décisions gouvernementales, cette émission a été enregistrée dans les conditions du direct, donc aucune coupe. Mais ça a été enregistré un peu plus tôt dans la journée. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment dans les conditions du direct. Donc je pense qu'on peut, procéder à la présentation. J'en profite aussi. Notez d'ores et déjà, vendredi soir à 21h, il y aura une grosse surprise. Mais on vous en reparlera un peu plus tard. Par contre, je suis un peu vexé là. Qu'est-ce qu'il y a ça? Parce que tu veux présenter les artistes. On ne les présente plus, tous ces artistes. Mais on les présente plus. Attends. On va les présenter quand même. Allez, si tu veux. Pour ceux et celles qui regarderaient et qui auraient envie de savoir un peu qui est tout le monde, c'est important de le faire, je pense. On va commencer avec. Donc, on a AS à cette table. Je suis ravie de voir ce magnifique Death Row aussi. Hommage. Ouais, hommage. Ouais. Gros big up. Mmh. Et donc, on continue avec Vizi. Yeah. Yeah. C'est assez chronologique. Ensuite, on a Jules. Mais oui. Et puis, Alonso. Évitons d'être chargé vers le haut. Voilà, évitons sérieusement. L'Algérino. Bonsoir. On te présente quand même. Hein. Si tu veux, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Stone Black. Stone Black. Shootstar, Shootstar, fournisseur de Shootstar, baba. Shootstar dans la maison. Et le dernier à être à nos côtés pour cette première table, c'est SCH. Évitons d'être chargé vers le vieux pas. Shootstar Pro. Et gros big up pour Luciano. Eh oui, Luciano, gros big up à lui. Gros big up à lui. Il est dans mon corps. Il va faire des apparitions. Je crois qu'il est possédé. Il n'est pas là parce qu'il a promis de les charger vers le vieux pas. On va essayer quand même de parler un petit peu de ce morceau, si ça vous va. Je voulais te demander, alors l'Algérino, comme c'est toi qui commence sur le morceau, il y a cette phrase où tu dis à Marseille ça vend du shit et de la chloroquine. Ah, tu es comme ça toi. T'as vu, je mets les pieds directs. Vas-y. En tout cas, j'ai vu que cette phrase a beaucoup, voilà, tout de suite sur les réseaux, ça a beaucoup parlé. Mm-hmm. Et notamment quand on a vu après dans le clip la figure. Enfin, le sosie en tout cas. C'est pas sûr que ce soit le sosie. On est encore dans la. Hein, c'est pas très. C'est pas encore vrai. C'est encore mitigé. Alors voilà, donc voilà. J'avoue qu'au début, je me suis demandé si c'était pas le vrai. Mais écoute, en fait, tu le prends comme tu veux. Cette ok, histoire. On garde. Voilà, on garde le suspect. Dans 10 ans, on le saura. Et alors, AS, avec ton groupe Puissance Nord, vous portez fièrement les couleurs du rap marseillais. C'est la PN, faut pas que tu te plaignes. Ouais. C'est la West. Et ça fait tellement plaisir de t'avoir avec nous. Perso, je suis très ému en tant que fan de rap. Je suis encore plus ému, je savais pas que tu me connaissais. Et voilà. Ouais. 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 Mais
mais voilà qu'on l'a senti depuis le début. Et d'ailleurs, en fait, récemment, je suis retombée sur le clip de Quartier Normal et ça m'a fait tellement plaisir. Et du coup, je voulais te demander, l'étoile sur le maillot, ça représente quoi pour toi? Moi, cette étoile? Ouais. Ce morceau, parce ouais. Qu'elle représente tout ce morceau. D'ailleurs, quand il m'a envoyé la prod, d'ailleurs, directement, ça m'a appelé direct. Tu vois, ça fait rappeler le vrai rap à l'ancienne, tu vois. C'est quelque chose, la prod. Voilà, franchement, la prod. Elle une tue. Certaine époque. Ouais, ouais. Et surtout, des flots qui m'ont manqué, comme même l'Alger. Ce qu'il faisait parce que eh ouais mais l'Alger ouais eh ouais l'Alger mais tu nous as manqué AS ouais. AS il a raison là. Dans ce l'Alger il nous a dans ce registre là ouais. Tu nous as vraiment manqué tu penses qu'à l'été tu penses qu'à l'été tu t'en bats les couilles de nous régaler mais ça me fait plaisir déjà que je vous ça me fait vraiment ça me touche parce qu'il faut savoir que l'Alger ses albums voilà ils sortent en mars avril on sait pourquoi. C'est un artiste très festif, mais c'est un kicker de fou, le mec. L'Alger, c'est mais je ne veux pas, oh là, mais je ne veux pas, mais je ne veux pas. Tu vas partir. L'Algerino, tu dis qu'il ne savait pas. C'est magnifique. C'est quand de tu quoi fais un projet. Tu dis oui, je ne savais pas. C'est-à-dire, je ne savais pas. Ou alors, j'ai peut-être mal entendu. Non, je n'ai pas entendu, en fait. Ah, bon, non, en fait, ce que je disais, même à Jules, après la sortie du projet, je dis, Jules, tu m'as mis dans la merde, en fait. Ouais. Parce que là, je reçois plein de messages. Refais-nous un album de rap, ouais. Pas de rap, et si et là. Je dis, écoute. Je vais envoyer du rap, mais quand même, je vais continuer à faire mes petites vidéos, tu vois. Raison. Non, mais après, même moi, ça m'a sorti un peu. C'est pas sorti de ma zone de confort, mais au moins ça m'a sorti de ma routine artistique. Ouais, ouais. C'est-à-dire que normalement, tout l'été, on est en tournée, même avec, tu vois, Cassim, il y a tout le monde. Ouais, on tourne ouais. L'été, on n'est jamais là. Et ça tombait bien, il y avait le Covid et tout. Le J qui m'appelle, il me dit on fait un projet marseillais. Je dis waouh, ouais, c'est le bon moment pour kicker, tu vois ce que je veux dire. Pour faire et voilà. Et en fait, je me suis amusé. Et ce qui tue même dans ce projet avec toute l'équipe et tout, c'est ça s'est fait de manière naïve et instinctive. Ouais, et ça, il faut pas le perdre dans la musique. C'est ça qui fait la magie de la musique. Et c'est là que tu fais des bons titres comme on a fait sur cet album-là, comme ça que tu fais des hits, etc. Et d'ailleurs, il y a une phrase que je trouve super belle, Alonso, c'est quand tu dis « Regarde, voilà, on mange à 8 et en fait, on ne regarde pas la montre. » Parce que ça m'a rappelé le fait que avant on faisait quand même des morceaux qui dépassaient 3 minutes, 5 minutes, etc. Aujourd'hui, on est plus sur des formats un petit peu courts. Du coup, est-ce que c'était vraiment la condition, en gros, on va dire, sur ce projet, c'était vraiment de se dire « Allez, on va vraiment faire des morceaux où tout le monde va avoir son temps, quoi. » Faut savoir que quand même on a dû taillader quelques couplets hein. Parce qu'il y a des mecs qui aiment bien déborder un peu sur le côté. Voilà, y a des gens qui aiment bien déborder un peu sur le côté. Il y avait la douane. Mais le plus important c'est de pour moi c'est d'être au service du titre. Tu vois, il y a des gros kickers. Tout le monde a donné de son savoir-faire. Et voilà, quand je dis à 8 on mange, en vérité on mange pas à 8, on mange à 50 parce qu'on est 50 dans le projet. Dans le projet. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau. Tout le monde a donné de son temps, de sa force, de son énergie. Et de toute façon, on le ressent sur chaque titre. J'en profite pour poser une question à Stone Black. Ouais. En tant que mec de centre-ville, moi je suis obligé de représentant du attention, c'est pas forcément un mec du centre-ville, attention. Pour moi, Carré Rouille, c'est vrai. C'est vrai pour moi, Shootstar. J'en profite, est-ce que déjà quelle vision tu as de tout ce qui s'est passé, est-ce que maintenant aujourd'hui ça te donne envie un peu de remettre les gants et de t'as un projet. Mais le 23, il y a un morceau qui sort. Ben ouais, mais justement, je vais l'amener à. D'ailleurs, je veux le partager en live parce que j'ai oublié de le partager. Tu vois, évitons d'être chargé. Partage-le, super. Et je veux dire, ouais, pour répondre à ta question, déjà, comme je dis à tout le monde, je peux le dire ici, c'est super ce qu'il a fait, Jules. C'est super. Pourquoi? Parce que, pour résumer, pour faire très vite, ça va au-delà des 50 rappeurs qu'Alonso a cités tout à l'heure. Ce qu'il a fait, pour Marseille. C'est-à-dire que même les rappeurs qui ne sont pas dans le projet, ils vont bénéficier de cette lumière. De cette projection qui est sur Marseille en ce moment. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et merci. Bien sûr, après, pour la suite, comme il a dit à Lorenz, ouais, il y a la suite qui arrive. Mais Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Non, mais on va juste déjà... un truc, oui, bien sûr. Respecte-le. Ah, ben je le respecte. Parce qu'il se peut, moi je ne parle pas à toi, je parle à la caméra, je sors. Non, je sors. Que ta daronne, c'était sa groupie.
important de le souligner. Très bonne punchline, très bonne punchline du morceau, en effet. Très bonne, très très bonne punchline du morceau. Plus belle punchline de cet album, donc il faut la souligner. C'est pas moi, c'est mon frère. Merci, merci à vous, merci pour cette première table. On va déjà enchaîner avec une deuxième équipe. Vont, merci à Alonso, As, L'Algerino, SCH, Stone Black et Vizi. Merci à vous, on les retrouve un peu plus tard. Et on va enchaîner avec la table du morceau Magadji, qui est aussi un gros morceau, avec De Bang, Kofs, Usagaza, Saf et Don Choa est avec nous. Il y a l'autre aussi, non, dans ce morceau. Non, bah, donc De Bang, Kofs, Usagaza et Saf qui vont nous rejoindre pour cette deuxième table. La table Magadji, encore une fois, c'est un morceau qui a bien fonctionné, notamment sur. Gros big up à Don Choa. Gros big up à Don Choa. Magadji, c'est le stream Don Choa. Gros big up à vous. Et gros bisous à Bang Bang. Merci beaucoup. Et hier, Kofs, c'est Kofs. Big up à Kofs. Le J. Qui n'était pas là lundi. Et le J. Et Don Choa. Merci, mon sang. Tu nous as dit Gros big up, ouais. À Kenyarkana. Kenyarkana. Laura Luciano. Laura Luciano. Don Choa, bien sûr, qu'on pas pu être là. Voilà. Et, bien ouais. sûr, gros big merci up à eux. Ben, je pense qu'ils reverront, la vidéo. On les dédicace. Vite fait, sinon je me fais tuer. Bien sûr. Dédicace à ma fille et à mon petit-fils, Jalaliman. Et Yamin, équipe du soir, Malik. Et comment il s'appelle? Oh putain! Moi j'ai la dédicace. Peu importe. T'inquiète, tu reviens après. Ouais. C'est quoi, tu reviens après? Ouais, tu termines la séance dédicace. La dédicace. Allez, ciao, pour moi, elle a fait une dédicace. Alors juste, je voudrais dire à la caméra que tout à l'heure, Kofs, en arrivant, m'a dit: toi ce soir, tu m'as dit quoi? Tu vas morfler ce soir. Toi tu vas morfler ce soir. Voilà, donc vous l'avez vu. Sur Twitter, je suis prêt. Tu disais quoi sur Twitter? Je disais, l'animateur, il est désemparé. J'espère que tu t'es chauffé là. Bon, magnifique. Ben non, pas si désemparé que ça, mais. Est-ce que tout le monde est en place pour enchaîner sur le morceau Magadji? Nickel, mon frérot. Nickel, par contre, j'avais un petit truc à faire avant de commencer le. Un tout petit mot avant qu'on lance. T'inquiète pas. Vas-y. Avant de commencer le truc, je voulais prendre la parole et je voulais faire une très 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 grosse pensée à la petite sœur Rania, qui est décédée il y a quelques temps, qui était d'ailleurs très très fan de Jules. C'est moi, j'ai vu pas mal de photos elle avait fait des Jules, etc. Et bon, moi, cette histoire m'a attristé parce que elle était pleine d'énergie et tout mon cœur va à sa famille et à ses amis. Grosse pensée, force à toute la famille, à tout l'entourage. Dédicace à toi ce projet, Rania. On commence le morceau Magadji. Go, vas-y. C'est parti. On est toujours sur YouTube d'Arrête Tati et sur Deezer. C'est Magadji. Je crois que je vais finir solo. Magadji en a marre que je traîne dehors. Des cheveux longs sous mon polo. Oh, merde alors. Magadji, elle a le blues de moi. Mais c'est vrai que des fois elle doute de moi. Je lui ai dit écoute-moi. Je suis fou de toi. Mia, moi je l'aime trop, toutes ses manières. Je la connais depuis jeune, ça date pas d'hier. Elle était là bien avant toute ma carrière. C'est pas mes potes, c'est elle qui surveille mes arrières. Oh Magadji, j'compte sur toi fort, ne me salis pas. Oh Magadji, j'te fais confiance, ne me trahis pas. Femme de caractère, elle a trop de manières. Elle veut la robe et croit qu'on va se marier. On vit dans une époque où elles sont toutes aliens. J'suis dans le Porsche avec une belle italienne. Trop de maquillage, pas de mariage. J'suis au Baléares avec Nawel et Maria. Posé en terrasse en train de siroter sangria. J'ai une préférence pour les métis et Arabia. Pété comme Bob Marley, les bonitas. C'est plus comment parler, señorita. J'ai sorti la quichta, que des pistaches. Elle a le goût chargé, mamacita. La vida locale, la mort ou l'hôpital. Qui fait la coca, la cousa chiquita. J'appelle l'avocat, j'ai rangé la guitare. J'suis cramé. Oui, c'est mon cœur, c'est Magadji. Je vis, je meurs pour Magadji. Je meurs pour mon cœur, pour Magadji. Je me sens tout seul sans Magadji. Trop belle, top modèle. Trop intelligente, Marie Curie, prix Nobel. J'arrête mon bordel. Tout autour du monde, y'en aura jamais de comme elle. Je vois ni les jours ni les années qui passent. Je vois que l'amour est jamais, je me lasse. Je sens la chaleur comme le feu sur la glace. Le feu sur la glace. C'est la meilleure à mes yeux, c'est la plus belle. Je suis fou d'elle. Magadji. C'est la femme de ma vie, c'est ma collègue, ma prunelle. Magadji. Malgré les dettes, les problèmes et les querelles, c'est ma belle. Magadji. Quand tu parles d'elle, quand elle se promène, de quoi tu te mêles, c'est Magadji. Ma lova, je sais que je te rends loca. On s'était dit jusqu'à la fin, mais bon, l'argent m'appelle. Faut que je taille, oh ma baby lova. Tu peux rester si ça te plaît, tu peux rester mais sans te plaindre. Tu
peux rester bébé, mais pas tester, tu sais. T'es consciente, mais quand même, toi tu nies les faits. J'te porte comme un trophée, peut-être que j'en ai trop fait. Ou nanana, c'est pas ma grosse. Des fois, je revois la drogue, baby mama, je refuse de perdre un dollar. Mais ça, c'est normal. La lampe, c'est ma passion, mais j'dois passer à maman. J't'analyse, tu peux partir, tu feras quoi que je dise. C'est vrai, j't'ai trompé, plus d'une dizaine. Mais t'es ma gadi pour la vida. Te mettre avec moi, c'est les problèmes. J'en ai marre de voir couler tes larmes au parloir. Je me rappelle de nos virées dans le Cayenne. Et c'est toi la plus belle, pas besoin de miroir. Elle m'envoie je t'aime sur le PGP. On était ensemble, j'avais pas one. Dans le trafic, je laisse agiter. On ira à la Mecque et pas en Thaïlande. Et la noche, je ferme le renté. Tu cherches à me joindre, mais je suis pas là. La Game Boy ne fait que biper. Je sers les clients, ne m'attends pas. Je rends du fouille mes jeans. Tu penses que je suis avec des folles. Mais c'est toi la seule que je kiffe. De mon amour, t'as le monopole. Ma gadi, ma nana, mon bébé, ma moana. Elle me rappelle qu'elle est l'ennemi, car j'oublie tout sur marijuana. Mon bras droit, ma copilote, sur la route du cash à fond, évite la douane. Ma baby, ma gadi, un mélange de hada et de lulu le henna. Ma Teresa Mendoza, pas la même passion, le même dosa. Le kiss manque, je vais le crosser, je vais lui faire danser le macrosa. Elle me rassure quand je doute, elle sait d'où on vient, donc faut faire le double. On va de l'avant, pas de moonwalk. Vivons cachés, vivons loin des hassas. C'est la meilleure à mes yeux, c'est la plus belle. J'suis fou d'elle. Magadji. C'est la femme de ma vie, c'est ma collègue, ma prunelle. Magadji. Malgré les dettes, les problèmes et les querelles, c'est ma belle. Magadji. Quand tu parles d'elle, quand elle se promène, de quoi tu te mêles, c'est Magadji. Allez, passé, ça n'a pas marché. Rien à cacher, ça t'a mâché. Cœur arraché, j'l'ai cravaché. Elle vit pour moi, j'meurs pour elle, pour j'vais galacher. Fallait tout cacher, qui pas bon, on a tout gâché. On s'est clashé, c'est roulé par terre, notre love craché. C'est placé, tu déclassé, jeter l'œil bâtard, c'est déjà déplacé. La mienne est bonne, à faire classer, la tienne est bonne, qu'à se faire casser. Eh, c'est ma gadi, c'est ma D. J'ferai pas la queue pour la voir, non. Rien à dire, c'est la D. J'suis mieux que j'tirais des gens pour la voir. Oh ma chérie, oh mon bébé, tu sais comment que c'est, laisse les romancer. Oh ma chérie, oh mon bébé, allons danser, finir ce qu'on a commencé. Oh ma chérie, oh mon bébé, laisse les romancer. Oh ma chérie, oh mon bébé, allons danser, finir ce qu'on a commencé. La plus belle, la plus simple, gros, c'est ma gadi. Elle a des belles fesses, elle regarde pas l'espèce, c'est ma gadi. Elle rend fou, elle m'énerve des fois, mais bon, c'est ma gadi. Des fois on vit l'enfer, mais dans ses yeux je vois le paradis. Elle est là quand tout s'y me laisse. Ma gadi c'est mon poteau. La famille c'est tout ce qui me reste. J'ai même plus de photos. Se faire des crises à quoi ça sert. Je vais rouler vite avec l'auto. Et les gens ils me font des manières. Tu te traites sur ma moto. Elle a des beaux yeux. 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 C'est ma gadi. Elle a des belles fesses, elle regarde pas l'espèce, c'est ma gadi. Elle rend fou, elle m'énerve des fois, mais bon, c'est ma gadi. Ma gadi et la famille. C'est ma gadi. Spéciale dédicace à toutes les gadi. Merci. Et merci. Dédicace à ma gadi. Le titre pour mettre tout le monde de bonne humeur, quoi. De ouf. On, ouais, on a pensé aux filles. Tu justement, vois, ce... ouais, comment ça s'est passé, Kofs? On était au studio avec le J, ça grattait, on écrivait, ça chantait et tout. Et un moment, il a fait tourner des prods, ouais, il a fait tourner des prods. Et je lui dis, oh, celle-là, elle tue. Mm-hmm. Et Morgan me dit, ah ouais, t'as vu, Jules, quand il te parle, il fait ça, t'as vu, il fait, ah ouais. Je fais, ouais, voilà, je fais, oh, viens, on fait un son pour les gadjis, t'as vu. Souvent, ma gadji, elle a piqué, donc. Ah, ok. Ouais, je fais un son, sinon. Mais ça dépend, parce que sur un autre morceau, c'était Chiquita qui t'a passé la bague au doigt. Après, c'est ma gadji. Ensuite, tu l'as quitté. Non, en fait, après, je l'ai quitté, après, je l'ai repris. C'est ça, mais t'as pas refait le même couplet, quand même. Non, je l'ai requitté, c'est moi, ma gadji. Et pour ce mot, ma gadji, en fait, c'est venu. Je suis curieuse de savoir à quel moment c'est venu dans la construction du track. En fait, on a choisi l'instru et tout.
Genre, on était au studio. Et après, toi, tu étais de ton côté, tu as fait un petit truc ouais. Magadji et tout. Ouais. J'ai dit, ça tu, vas-y, on fait sur ça. Du coup, j'ai envoyé à tout le monde la prod, là, sur le groupe. J'ai fini un groupe à 8. Voilà, le thème, c'est Magadji. Et voilà. Hein. Et gros big up à Sosomanes, Ralouch, Doncho, voilà, qui sont sur le morceau. Et Saf, que je trouve qu'ils ont déchiré le morceau. Ils sont aussi sur le morceau et qui ont bien plié ça. Ouais. Et alors, bon, moi je suis de Paris, donc c'est pas forcément un terme qu'on utilise tout le temps, Gadji, mais c'est pour parler de. C'est Mago, quoi. Oui, c'est ça. Alonso, il avait déjà dit Magadji, c'est une Bagdad. Il le disait souvent. Magadji, c'est une Bagdad. Du coup, si jamais, voilà. Non, voilà, non, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à Marseille, Magadji, donc voilà, Magadji, Mongadjo, etc. Et où ça? Alors moi, je me souviens, il y a quelques années, je t'avais découvert sur un morceau plutôt gang, tu vois, c'était Calma. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui d'être, enfin, ça paraît peut-être logique, mais en tout cas d'être tout terrain, d'être un artiste complet, quoi. Il est pas tout terrain, il est chaîné, je te le dis. Ça sert à rien de le monter, bien, tout ça, parce que tu fais l'hypocrite, tu sais très bien qu'il est. Tu craques parce que c'est ton associé, c'est ça? Ah, c'est bon, vas-y, arrête de parler. Après, vous allez dire, je suis pas objectif. Parle doucement. Je te mets encore. Non, ben ouais, ben il faut être, bien sûr, il faut être polyvalent dans la musique, tu vois. Il faut pas faire. Obligatoirement ce qu'on aime, tu vois. Parce que des fois, tu fais ce que tu aimes, et les gens, ils attendent d'autres trucs, tu vois. Il faut plaire aux. Il faut donner ce que le public, ils attendent, en fait. Ouais, tu vois. Être polyvalent, quoi. Voilà, exactement. Et là, le son Magadji, par exemple, quand ils m'ont proposé ça, quand Corse, ils m'ont dit, ouais, c'est bon, il y a le son Magadji, j'appréhendais un peu, tu as vu, parce que. Moi, je suis pas trop les sons Gadji et tout. Mais après, en fin de compte... Ouais, t'es pas trop dans ces sons-là, d'habitude. Et au final, il a plié. Ouais, c'est ça, en fait. Faut dire la vérité. Et c'est là comme, que c'est bon. Comme, par exemple, tu as Luch, Doncho... Ouais, c'est pas leur univers. C'est pas leur univers. Exactement, aussi. Exactement. J'ai fait esprit, genre... Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on ça. S'attend pas spécialement ouais, à ces profils-là. C'est pas ces crèmes. Dans la compo, j'ai... Exact. Franchement, un truc de fou. Très belle compo. Ouais, franchement, ça tue. Ça tue. Très belle compo. Bravo. Ouais, non, c'est avec Romain, ouais. Je fais avec Romain. Baby bah, boy. Big up aussi à Romain. Voilà. Voilà, on big up tout le monde hein, ce soir. Merci, et, baby boy. Merci bien. Merci bien. Et du coup, de Bang, là, quand je t'ai observé pendant le titre, c'était la folie. Tu sais, t'es en feu, quoi. Ah ouais, mais là, on déguste. Mais, le Magadji Manana. On est là, entre nous, on est entre frérots. Faut qu'on déguste, hein. Le morceau il est bien, pourquoi on va pas se lâcher Même c'est un morceau pour ça. Hein. C'est ça, exactement. C'est un morceau pour délirer. On va pas faire les sérieux pour un morceau comme ça. Vous vous attendiez à ce que ce soit un des morceaux les plus streamés au final, avec après Bande Organisée bah, après... Dis-toi, j'ai pas trop tout regardé, mais là tu vois, tu m'apprends ça. C'est un des morceaux. T'inquiète pas, moi je regarde tout le temps. Faut le clipper. Les filles, elles sont présentes. C'est vrai que dès qu'on dit succès, les filles, elles supportent beaucoup. La vérité, les filles, en plus, elles ne te lâchent pas. Tu penses qu'il y a un clip qui va arriver, peut-être, sur ce morceau? Pourquoi pas, je dois faire encore. Continue, le clip, il le faut. Surtout, tu m'as menacé. On est combien? 9e. Faut clipper. Merci à vous, merci à vous. En tout cas, la famille, juste merci pour la passe de l'épaule, le sang. Ouais, de fou. Et franchement, le projet, il tue sa mère. Moi, je me suis régalé, je suis fier, juste. D'avoir posé Jules, frère, un projet à Jules. C'est le best, tu as compris, dans Marseille. C'est celui qui nous met la lumière, voilà. C'est numéro 1, tu as compris. Et en plus, il y a les anciens, Akhenaton, l'Ayam, le Psychiatre, Carré Rouge, toute ma jeunesse, frère. Les gars, franchement, c'est un plaisir et honneur, voilà. On va les retrouver, notamment, parce que l'autre fois, j'ai vu un peu sur les réseaux que quand ça avait parlé, SCH, il avait parlé de ce qui s'était passé sur le bateau et tout. C'est toi qui ramène l'histoire. Je vais ramener, ouais, parce que je veux mettre la vérité sur le. Je vais mettre la vérité sur le plateau aujourd'hui. Voilà, à tous les internautes qui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau. En fait, c'est Jules, il est tombé du bateau pendant qu'on roulait. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a demandé. Voilà, c'est exact. C'est logique. On a compris. Et quand il est tombé, il a fait ça, j'ai pas compris. On a compris. On a compris que c'était Corse qui était tombé du bateau. Non, je te l'aurais dit, sérieux quoi. Merci à vous. Merci à tous. Ouais, merci à tout le monde. Magadji. Tout de suite, on va enchaîner avec une troisième équipe. Merci la famille. Merci beaucoup. On va enchaîner avec le morceau Tout a changé. Donc, doivent quitter la table déjà. De Bang, Corse et Oussa Gaza. Et ils vont arriver à la table, messieurs Fahar, l'Algérino. L'Algérino est de retour, Soldat, Stone Black et Siza. Et Menzo? Menzo est là? Et Menzo, malheureusement, n'est pas là. Mais Fahar, l'Algérino, Soldat, Stone Black, Siza vont nous rejoindre.
On passe un coucou à Menzo aussi, du coup, qui n'est pas avec nous. Gros big up pour lui. Menzo. Merci Menzo, beaucoup. Merci beaucoup. Attention, attention au Covid. Tranquillement, tranquillement. Amadji, la famille. Big up, gros big up à Menzo. Organisé, ça rigole pas. C'est lourd. Au coffre. Merci au frérot. Il y a l'Algérie, non. Là, je voulais dire. Le J, c'est bon, je te dédicace pas. Il y a l'Algérie, non. Voilà, la famille. La désindrie en personne, c'est la famille, ça. Il y a le frérot Siza, la caillole, ça bouge pas. C'est le saint. Je fais les présentations, je peux te le. C'est bon ? Nickel, frérot, là. Le frangin, il a tout baisé sur le son avec. Comment est-ce pas le titre déjà ? Je me souviens. L'étoile sur le maillot. L'étoile sur le maillot. Hey. Voilà. Non, je connais pas. Je regarde que mes sons à moi. Pardon, mon ref. Attends, je fais les trucs. FAHR. Bam. FAHR. Pour tous qui connaissent pas, mon frérot. Laisse tomber, puissance nord. La folie. Je vous présente un mec d'Herbel. Personne ne le sait, ça encore. Mais c'est un mec d'Herbel. Soldat, Guili et la famille. Bonne émission à vous, on est ensemble, ça bouge pas. Sakara 3. Quelle présentation. Je pense qu'on peut envoyer directement le morceau. Allez. Tout a changé. Merci. Très organisé, là pour prendre la vie dans des positions indécentes, mon ami. Si tu veux pas qu'on monte, faudra nous descendre, mon ami. 1, 3. Ni confiance en toi, ni en ma rétine. Tu sais bien, tu sais rien, pourquoi parler-tu? J'ai la mort, j'ai le démon, paraît-il. C'est mon tour, par le tien, je la tiens par les chiffres. Déjà été tué, et je sais par qui. Je tire dans le tas, comme si j'avais la parking. Si tu les comptes, je veux les peser, et par qui. Ils veulent la caisse plus grande que la place de parking. Je suis ici, je suis là-bas, je suis la jeunesse en rêve. On veut tout, mon poteau, on est venu sans rien. Accroche-toi, car tout meurt si les couilles s'enrayent. On veut tout, mon poteau, dans ces coins sans règle. On en jette, on les jette, on veut tout avoir. Ils trahissent, on les jette, on veut rien savoir. Très fidèle, que dévoué, pas là pour la gloire. Y'a pour la soif, pour la swag, et pour la soif. Puis qu'on est jeune, la guerre dans mon quartier. Je sais pas combien, mais je sais qu'on va tout claquer. Je tuerai des gens pour le temps des lunettes quartier. Personne n'est immortel, on va tous raquer. Égaré, mal barré, je peux plus réparer. J'ai laissé mon bon fond sur la bande d'arrêt. Je suis garé dans le carré, je bois des rats de marée. Rien en arrêt, je ne suis que ce que mon arrêt. J'ai pris le mic pour me soigner à 15 piges. À la base, on rappait pas pour être riche. En larmes, quand les frères nous faisaient le prêche. Face aux flics, personne faisait l'autruche. On affrontait nos torts comme des grands garçons. Pas de raisin sec dans le caleçon. On prenait exemple sur les anciens. Aujourd'hui, le respect, c'est un paillasson. Tout a changé, même pour manger. Des frères se shootent dans les tranchées. Les plus âgés sont ravagés. Et les petits ne savent que ce qu'a lâché. Parents fauchés, amour fâché. Des cagoulés devant le guichet. Voilà pourquoi tous mes couplets sont des lettres à France comme Paul Naret. Moi je suis sorti du mur, personne me connaissait. Je rappais dans la Twingo, j'étais au quartier. C'était moi que tu voyais sur une roue. C'était moi qui sentais le parfum quartier. Dans les bras de Morphée, j'ai vu les petits morfler. Les chutes ils font peur à 6h. Et les mamans, c'est pas de leur faute. Des qualités, des défauts. Mais trahis pas, si tu es mon frère, on va s'en vouloir comme des fous. J'ai tout donné, et ça m'en veut, de quoi frissonner. J'ai mis de côté mon côté émotionnel. Car y'a des choses qu'il faut pas cautionner. Tout a changé, c'est comme ça mon frangin. Personne n'a rien fait, pourquoi j'irai me venger. J'suis dans le rendu, j'gamberge chaud. Et quand j'pense, ça fait mal de voir ton ami faire l'étranger. Tout a changé, tout le monde veut manger. À dire que même des darons, tu vas la charger. Retiens bien le message. Quand t'as pas pied, faut pas nager. Les potos, la rue, les potos, c'est trop chaud la rue. Les condés prennent des photos, est-ce que tu m'as vu? Le futur, un loto, les petits vendent la coco. Les frères meurent en moto, j'étais dans ma bulle. J'avais pas un euro, j'suis dans le PMU. Demande à nos mots, j'me lâche quand j'ai bu. J'me mets à nu, j'pense à ma mère quand j'regarde la lune. Si tu savais, hey, ma, rien n'a changé, hey, ma. Y'a trop de jaloux, hey, ma. Ils font que parler, hey, ma. Si tu savais, hey, ma, rien n'a changé, hey, ma. J'reviens de loin. J'ai rien oublié, génération veut des billets. Mes billets nous mènent dans le corbillard. Ouais tout a changé, même si moi-même j'ai pas changé. On s'est jamais plaint dans le brouillard. Je veux pas éponger, une vie noyée dans les soucis. On était jeunes et insouciants, pas encore soucieux. 2020 ça part en sucette. J'ai cuisiné sans la recette, donc je connais les enjeux. Avec rien on faisait un, et avec un on faisait tout. Et maintenant même si tu leur donnes 100, ils font plus rien. Et maman avec, ça se mène de tout. Donc je peux pas oublier, sans être outillé. On a marqué la tête, on l'a fait briller. Tout le monde a brillé, maintenant ça cherche à s'envoler vers le ciel avec des. Y'avait des rires, des larmes, hiver, été. Rappel de souvenirs, donc je pleure sous la verse. Le ventre ouvert, cœur déchiré. Passé dans le mixeur, le reste en PLS. Époque accidentée, sentiments sur trottoir. L'histoire ne m'écrit pas, moi j'écris mon histoire. Repense à tous mes torts, mais y'a zéro mystère. On commence comme des potes, on finit adversaire. À la base, y'avait pas d'avenir. Tout a changé. À la base, y'avait pas d'avenir.
tout a changé. Années 90, Marseille, F-E-L-I-X. Dieu m'a créé pour pas que je traîne dans le bendo. Ma mère me pensait très nia. Attiré par le mensonge, je l'ai nié. Dans la cité, j'ai l'astiqué les billets. Pour pas que tu fasses le ménage et tu te casses le dos. Le dos, faut que je sors ma tête de l'eau. Je savais que c'était pas dans le bendo que j'allais faire des loaves. Oh, maman sourit, là je sors de toutes ces conneries. Ma femme, mes gosses et j'esquive. La tolle, la drogue, les jolles, les flingues, les boom-boom et les perquises. Là je sors de toutes ces conneries. J'taffe, 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 j'écris. J'veux que mon gosse voit que je brille. Qu'à l'école, ça lui dit son daron, c'est un monstre. Quand il débite, c'est la folie. Folie, folie. Regarde la vie qu'on mène. J'ai changé mon domaine. Dans mes veines, je prends tout, je taille aux Seychelles. Tout a changé, tant de faux sourires. Propre sur moi, je vais les pourrir. Je marche pas au pas, je les fais courir. Si je t'aime vraiment, prêt à te couvrir. Jamais je mordrai la main qui veut me nourrir. À de meilleurs lendemains, pas peur de mourir. La vie d'avant n'est que souvenir. Je peux plus m'ouvrir, je veux plus souffrir. Voilà du bon pour les tympans. Cœur bas au BPM et du tempo. Entends-tu les cris sous mes peines? Je suis un droit, l'honneur du drapeau. Tout a changé dès l'arrivée des armes. Dans mon temps, on faisait des têtes puis des fêtes. On sait même plus la destination des armes. Maintenant, l'adversaire n'accepte plus aucune défaite. Il y a les hommes de paix, les forts puis les faibles. La jalousie plane, la rancœur la précède. Le déshonneur est là, on tient la baraque. Pendant que le respect belle lui fait la vaisselle. Ne cherche pas la merde à ton gars le plus sage. Des concours de bite du plus con au plus sage. Tu trouveras ta dignité au fond du sac. Ne ramène pas ta rue, j'ai mon droit de cuissage. La vie m'a pas fait de cadeau, débrouillard, j'ai dû trimer. Tout seul j'ai dû faire un garon, telle est ma destinée. Bon, y'a que Dieu qui m'épaule. J'ai vu des horreurs, plus rien ne m'étonne. Non, j'ai pas changé de fusil d'épaule. Sauf que tout a changé depuis l'école. J'ai fait la guerre pour trouver la paix. Chasser mes démons et faire le point. Je laisse le goût en mer de mon passé. J'ai dû couper les ponts et voir au loin. J'entends les coups de feu qui résonnent. La rue fabrique et détruit des hommes. On avait tous un rêve quand on était mort. Depuis tout a changé, chacun ses raisons. T'as vu les traces dans l'auto. Ça c'est les coups de couteau. Sur le même océan, mais pas sur le même bateau. Oh, aujourd'hui ça donne des gants, plus de sentiments pour le poteau. Oh, hier on était innocents, ensemble sur la photo. Oh, à la base y'avait pas d'avenir. Tout a changé. À la base y'avait pas d'avenir. Tout a changé. Merci, merci à vous pour ce magnifique morceau. Ouais, très, très, je veux des applaudissements hein. Parce que c'est un morceau. Il faut parce qu'on peut applaudir. Je veux des applaudissements. C'est intéressant d'ailleurs parce que, en fait, sur ce titre, notamment l'Algérino, t'avoir bien observé, t'étais vraiment, tu regardais tes collègues et t'avais l'air genre, mais tellement heureux. Je vais te dire une chose, un morceau qui me transporte, c'est un régal. Et Jules, tu es un monstre parce que, franchement, une instru comme ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que. Confirme. Tu vois, c'est up tempo, c'est très mélancolique, tu peux mettre de la mélodie, du texte. Franchement, les gars, ils ont tous. Performé de fou malade. Luch quand il rentre, c'est la folie. Sopra, c'est Sopra. Il est là. Big up à Sopra. D'ailleurs, gros big up. Jul, en direct des étoiles. Menzo. Menzo. Frère, les gars, vous m'avez mis des frissons. C'est là, tu es un monstre, frérot. Là. Bougie, de façon, et tu le sais. Stone. Je me permets de te couper, l'Alger. Dans ce titre, vous dites tout a changé. Et du coup, je voulais savoir, Siza, est-ce que tu as l'impression. Qu'est-ce qui a changé dans le rap? Beaucoup de choses. Déjà les codes, il y a tout qui a changé. En fait, avec l'arrivée des réseaux, ça a changé la donne. Et ça, c'est réel. Avant, c'était le fond avant la forme. Maintenant, c'est l'inverse. C'est la forme avant le fond. Après, il faut vivre à travers son époque, donc on s'adapte. Moi, je le rejoins sur le fait que les réseaux, ça a tout changé. Parce que si tu veux, à l'époque, on faisait des albums, il y avait des pépites. Il y avait vraiment des pépites dans nos albums.
Et tu étais à la solde des radios et des télés qui choisissaient eux leurs titres. Mmh. Donc du coup, c'était difficile pour nous de proposer des choses vraiment, vraiment artistiques. Même moi, personnellement, j'ai des regrets sur certains albums où il y avait des titres profonds que j'ai pas pu exploiter. Et avec l'arrivée d'Internet, ça, ça a vraiment changé le truc. Tu peux vraiment proposer ce que tu aimes. Et c'est le public après qui choisit. Et ouais, ouais, c'est le public qui c'est choisit. Le public qui choisit. Et ça, c'est beau. Et Phare, je voulais te demander, alors toi, t'es un grand monsieur du rap. On est très, très ravis de t'avoir à nos côtés. C'est assez également magique de t'entendre sur un titre. Donc déjà, merci Phare, merci Jules. Merci à Jules. Et merci à l'équipe. Et du coup, alors, en baladant un peu, j'ai parlé avec Nico Prod, Big Up à lui, Linger, qui me disait que ce morceau, c'était le morceau Paul Naref. Alors, c'est notamment ça, une référence à Soprano qui le dit à un moment, ouais, par rapport à la mélancolie, hein, du titre. Et en écoutant ce titre, je me suis dit qu'il était parfait pour toi. Tu en dis quoi? Ben, il est parfait pour tout le monde, pour toute l'équipe. Je pense qu'il a fait une bonne sélection, Jules. Ouais, et c'est d'ailleurs Big Up à Biswan, les AK. Moi, je te dis, je me suis incrusté carrément dans le morceau. C'est vrai? Ah oui, en fait, il me l'avait fait écouter avant. Je savais qu'il fallait faire quelque chose dessus. Et après, moi, j'étais parti en vacances en Corse. J'étais avec le J, je pétais les câbles au téléphone. Petit Zem, je suis là-bas, je voulais, tu vois. Bon, ça va, je suis pas resté longtemps, 4-5 jours. Je suis revenu et j'ai entendu le titre. J'ai dit, frérot, faut que je pose dessus. C'est une dinguerie. Donc, du coup, je me suis fait petit, tu vois. J'ai juste fait mon petit 8 mesures. Mais franchement, quel plaisir de poser. Mais c'est une instru de dingue. C'est une instru de dingue. Et justement, Soldat, toi aussi, c'était un plaisir de poser sur ce type de morceau. Ouais, avec... C'était un plaisir et en plus, ça m'a inspiré beaucoup. Ouais. Et voilà, on a gratté. Tu l'as écrit où? Parce que je crois que l'autre morceau, tu l'avais écrit, je sais plus. C'était la salle de bain, la cuisine. Ouais. Ce morceau, comme d'habitude. Ouais, tous les jours. C'est là où ça t'inspire. Voilà. Ouais. Ouais. Même au quartier, des fois en bas. Ouais. Ok. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle un artiste. Hein. C'est l'inspiration. Voilà. De partout. Tout le monde a envoyé un gros couplet dans celui-là. Ouais. La vérité, tout le monde a fait le taf. Même dans tout en général. Ah, franchement, chaque fois qu'ils sont venus, on a posé ici, tu vois. Ouais. Chaque fois qu'ils sont venus, ils ont régalé tous, un par un. Top. Et peut-être un petit mot de Stone, à propos de ce titre-là. On parlait justement de l'ambiance, voilà, du fait que vous soyez tous ensemble, la mélancolie. Un petit mot à nous dire à ce sujet. Ah, il est super le titre. Ouais. Ils ont tout quand dit. T'as entendu le résultat, tu t'es dit quoi, par exemple? Ben, j'étais super content du titre. Il est magnifique. Je rejoins totalement l'Alger sur l'émotion que l'instru dégage, le up tempo et les performances de chacun. Ouais. Qu'ils ont fait une valeur ajoutée au titre. Et franchement, il est formidable ce titre. Encore comme à tout le monde. Merci OJ de nous avoir rassemblés sur ce titre. J'ai une dernière toute petite question pour Siza. Est-ce que ça te fait quoi, toi, de rapper avec toute cette. Est-ce que c'est monument? Moi, je viens d'en bas, tu as vu. Je suis encore en bas. Quand Jules m'a dit qu'on allait rapper avec ces noms-là, je suis devenu fou. J'ai failli sauter au plafond. Parce que c'est pas ça. C'est des gens que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'écoute à l'heure actuelle. Mais quand j'étais jeune, je me suis vraiment bousillé à leur son. Que ce soit Stone, Carré Rouge, l'Alger, 45 Nigaz avec Jamajal. Phare, Puissance Nord, par exemple. Puissance Nord, c'est des gens qui m'ont inspiré, moi, dans ma manière de rapper. Et ils savent même pas, mais je le dis là. Après Soldat et Jules, ils savent ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ouais. Et que ça soit la FF c'est aussi pareil, avec le rat, c'est des gens qui m'ont super inspiré. Donc même pour aborder le son, il fallait que je me mette au niveau là. Je me suis dit non, je peux pas. Pression. T'as tout arraché. T'as été vraiment au niveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bien sûr. Siza, il a montré qu'à la Cayolle, ça rappe. Bien sûr que ça rappe à la Cayolle. À Marseille, ça rappe, Valdi. À Marseille, bien sûr. Mais à la base, moi, je connais la Cayolle depuis petit. J'ai de la famille là-bas. Mais je savais pas que ça rappait. Et Siza, quand je t'ai écouté sur le mot, franchement, chaud. Ça parle aussi d'Abdel Cayolle, je crois. À la Cayolle, il y a plusieurs rappeurs. C'est un vivier aussi de talent, mais je pense qu'il y a plusieurs vraiment viviers et je pense que le Gilles a su mettre aussi ça grave. En valeur grave. Et merci à vraiment, grave. Ça tue. Et merci à vous, merci grave. Beaucoup ah, merci à vous j'aime merci aussi. À vous pour cette pour ces pour le ces échanges. Fais-moi une autre instru comme ça s'il te plaît. J'ai besoin d'une instru comme ça. Je vais gratter, fais-moi un truc. On enchaîne sur ouais je pense qu'on peut enchaîner pour merci, c'était la troisième équipe, merci à vous. On va tout de suite enchaîner avec une quatrième équipe. Vont quitter la table, merci à eux, l'Algerino, Soldat, Stone Black et Siza. Et vont arriver à la table Bilka, Gia, Kamikaze et Tonino pour le morceau La Nuit.
Cara n'étant pas là. Et mais Phare également, il me semble. C'est Cara de sa équipe qui a pas pu. Il y a eu une mauvaise info. Monsieur Cara est là, on a eu une mauvaise information. Comment tu vas? Comment ça va? On est là, mon frère. Ah, j'en doutais donc absolument pas. Il se passe pas. Plein de choses, hein. Ça c'est les joies du direct aussi. C'est ça, exactement. On vous a dit que ça allait être. J'en profite aussi pour rappeler que cette émission a été enregistrée dans les conditions du direct, toujours pour évidemment en fonction de. Par rapport au couvre-feu et aux décisions gouvernementales. Donc, comme vous le voyez, il n'y a aucune coupe. On enchaîne. Et là, je pense que les artistes sont installés. Son chou, Monsieur Tonino, ça va? Un peu calme. Monsieur Tonino. Monsieur, ah oui. C'est la salle. Ah oui, quand même. Je pense qu'on peut lancer le morceau. Allez, le morceau, on est toujours sur l'Instagram de Deezer. Les gars, et je sur le connais pas. Le YouTube de Red Platine. C'est parti. Dans la sacoche, la rançon, mauvais garçon, dans la gare. Marcer la nuit sous tension, seule ambition, faire du wari. C'est rien de personnel, très organisé, c'est les professionnels. On déploie nos ailes pour les traumatiser que personne ne se mêle. Dès que la lune se lève, je suis dans le bloc des Ciocho. Pétard relève, ça rêve de gros sommes et de gros chocho. Madre mia, soy un galocho. Roupie le jour que dans ce lieu, un tronc, tu te spais sous le colchon. Quand bien j'ai sorti maman du barrio, trouver la paix, essai avant la fin du scénario. Mais trop souvent pressé, nos cœurs est trop stressé. Fini par presser la détente vide à l'oca sicario. Les poches, le ventre vide, je connais. Les ruelles sont bougées, donner ma jeunesse consumée. Peu de regrets, tout est assumé. Au volant de ma vie, je mets les pleins gars sans être assuré. C'est la règle, je remets un plein à la pompe. Et ça barre dans la ville sur un fond d'Akhenaton. Pour des histoires de blocs, ça charge des fusils à pompe. Et je repense à mon ex sur le chemin de la jungle. Pas marre de voir les mêmes têtes traîner dans les mêmes coins. Pas peur de fumer sur les mêmes bêtes, insulter les mêmes condés. Y'a des clients de mâche la nuit qui nous font des OD. Et les petits en prise en chasse sans casse qui est par la mondée. Marseille arrache la patèque au poignet de monégasque. Ce qui nous intéresse à nous, bien sûr, c'est le monnaie cash. Et si tu permets, tu gagnes. C'est comme la Sadaka. Et tu me verras tard dans ta ville comme un mouvement. Malaika. Je sais très bien où je vais et j'oublie pas d'où je viens, chez qui je suis. Et à quel quartier j'appartiens, je sais très bien où je vais et j'oublie pas d'où je viens, chez qui je suis. Et à quel quartier j'appartiens. J'ai écrit ce texte en cellule, les yeux rivés sur la fenêtre. Avec zéro dans le PQ, un peu mal à la tête. Pas de mousse de l'extérieur, le temps de me trouver un chenille. Sans orange à l'intérieur, j'te flag à mail, pas de cantine. Toujours fidèle au MK3, ce quartier m'a vu grandir. J'ai connu ces moments de joie, mais aussi connu le pire. Et qui sait que je me sens chez moi. Très organisé, car à loco on vise l'avenir. La nuit à Marseille, ça pilote des gros engins. Que des têtes cassées qui aiment pas trop se mélanger. Ici même calibré, ça va acheter le pain. Ça regarde partout, quand au resto ça va manger. La nuit à Marseille, y'a des voleurs, y'a des brigands. Faut des sous pour la maison, les petits s'en foutent du président. Y'a des poursuites en détente, ça câble quand y'a la police. Parce que les menottes, ils les serrent quand tu fais des choses à haut risque. Y'a le galérien à terre qui veut niquer le pain en russe. Et quand ça passe qu'à couler d'olche, tu crois que c'est des terroristes. Lunettes de skieur. Ça fait cher clair, t'as le syndrome du T-Max, on dirait que t'as vidé un chargeur. La nuit c'est bad. La nuit c'est hard, patate, matraque. La nuit ça plane. La nuit ça casse, mes nuits sur le shot comme à Bagdad. Carnage, Schmitt, Mecta. Bagar, shit, extra. Quand j'arrive, c'est le spectacle. Bonhomme solide, respectable. Oh, oh. Je suis à fond dans la gare. Ah, ah. Je suis avec Saïd et Bakari. Ah, ah. Elle se sent en Ferrari. Ah, ah. En veste sans la Ferrari. Ah, ah. Je connais la night, je fais pas de fight. Attention, je suis calibré, fais pas le mic. Je connais la night, je fais pas de fight. Attention, je suis calibré, fais pas le mic. Dans la sacoche, la rançon, mauvais garçon dans la gare. Marcher la nuit sous tension, seule ambition, faire du wari. C'est rien de personnel. Très organisé, c'est les professionnels. On déploie nos ailes pour les traumatiser que personne ne se mêle. La nuit c'est crime, vol, cheat, globe, 09. Pas là pour faire le perroquet, pas là pour plaire aux meufs. Ça tombe, ça vrille, ça plombe, ça brille, ça deal, ça rit. Pour un regard de travers, ça te sort le neuf. Le game en otage, là c'est trop tard. Le bruit du moteur fait peur même aux motards. Évasion placard, comme un serpentard. Des yeux de bâtard, ouais, ça sent la patate. C'est la zone PD, en bande organisée. On braque le four et là qui va rivaliser. On met tout le monde à terre, si on n'est pas raciste. Un 45 entre les cuisses, équipe de 46. On a déjà dépassé l'Amérique. J'suis dans le futur, j'suis en Afrique. Le bling bling c'est pour mes filles. Disons que pour le reste je me méfie. Gros bout sur le périph'. J'suis pas dans Scarface, j'suis dans les starting. Coup de pute,
ouais c'est terrible. Il t'a laissé solo sur le parking. Mon son tourne en boîte, tu dans le secteur. Hein, FHAR est de mauvaise humeur. Je fais danser l'avocate, nique l'inspecteur. Et ça tient le rasi jusqu'à pas d'heure. Ça se promène, baisse ton seigneur sous la gabardine. Ça zone à 5, serré dans la citadine. Y'a des pirates, des quartiers nord jusqu'à la Valentine. Tu sur le ciment, ça fait le monde. Sous votre grenadine, elle est mignonne, tu l'as levée. Elle t'a donné RDV, un texto ça va débouler. Cagoulé à XATV, la nuit je vois des petits à l'affût. Ça cherche des clean, ça entubé. Caché dans l'obscurité, je vois des mecs d'une chatte tuer. Mais voir la nuit, c'est la folie. Que des têtes carbonisées, de flics qui à la folie. Fais pas la franchise, joue pas les mafieux comme poli. Ménique, ça t'allume comme un Napoli. C'est Miami, la nuit ça devient Cali. Drogue, durée, argent, sale dans la valise. Le jour, grosse liasse, grosse bitch dans la gare. La nuit, faut la paire de gants et le petit calibre. Soit t'es avec nous, soit tu niques toute ta famille. Pendant que tu fais la mala, y'en a qui soulèvent ta gadi. Ça donne des gommes, heureusement que des frères pas d'amis. Heureusement organisé comme en Colombie. T'as les becs et les bras, tu ne rafales, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri, abracadabra, ça t'élimine comme par magie. Dans la sacoche la rançon, mauvais garçon dans la gare. Marcher la nuit sous tension, seule ambition, faire du wari. C'est rien de personnel, très organisé, c'est les professionnels. On déploie nos ailes pour les traumatiser que personne se mêle. Merci pour ce titre. Merci à vous. C'était incroyable. C'était tellement beau de vous voir. Et d'ailleurs, ça me fait tellement plaisir de te voir sur ce plateau à nos côtés, Tonino. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment un bonheur. Et toi, tu fais partie d'une équipe, une sale équipe, c'est ça. Ça veut dire. Mythique formation du début des années 2000. Ouais. Donc voilà, on est très ravis d'être avec toi. Merci. Et sur ton couplet, il y a une phrase que tu dis. Alors c'est hyper simple, mais moi c'est le genre de choses sur lesquelles j'accroche. Tu dis, on est au volant de sa vie. Et du coup, je voulais savoir, quand on est ici, est-ce qu'on se dit pas d'une certaine façon que la route, elle est d'or et de platine sur le plateau? Bien sûr. Ouais. Claire. Bien sûr, c'est magnifique d'arriver à amener autant de légendes. Parce que légende, c'est pas qu'au niveau des ventes, tu vois, mais de légendes, des mecs qui ont marqué Marseille, etc. Des générations différentes, des couches différentes de style de rap, parce que maintenant il le rap à plusieurs branches. Et c'est pour ça que moi je suis très respectueux de ce qu'il a fait, Jul, parce que ça apporte du bien à beaucoup de gens. Et pas que nous les artistes, il y a des gens qui écoutent. Il y a des mecs qui aimaient, comme peut-être toi, ça, l'équipe. Il y en a qui aiment Puissance Nord, etc. Il y en a qui découvrent des nouveaux talents. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça, c'est vraiment bien. Tu vois. Et merci à lui. Merci à toi, frère. Merci à tous. Tu es monstre, le sang, voilà. Ouais. Je sais. Ouais, il a parlé. Justement, Gia, on sait que ça, l'équipe représente le 143. Vous me dites si je me trompe. Ouais, 143, il n'y a que moi que je suis de la campagne Lévesque. Tu vois. De campagne Lévesque. Mais moi, et Joker, on est du parc. Et si je ne me trompe pas, donc il y a deux générations de rappeurs du 143 entre la salle équipe avec Cara et toi et évidemment Tonino. Et donc, ça te fait quoi aussi d'être sur le même morceau que Giri Mafia. C'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Ça te quand t'as su que t'allais être sur le même c'est morceau. Énorme. Ouais. C'est énorme. Parce que avec ce qui se fait maintenant, les gens peut-être ils s'attendaient pas. D'accord. Moi le premier, je m'attendais pas. Parce c'est que un honneur. Ouais. Deux générations ou même voire trois générations dans le même projet, dans le même morceau. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Ça fait que c'est énorme pour moi, c'est exceptionnel. C'est, donc t'es fier. C'est beau. Eh oui. Et merci OJ. Hein. Ah, les humains. Fais le signe. J'en profite. Bon. N'hésitez pas à mettre vos téléphones sur mode avion. Ouais. Sinon, moi j'en profite pour dire quelque chose. C'est merci bien Cara d'être venu. Ça fait plaisir le sang. Frangin, excusez-moi, j'étais dedans moi. Ah, c'est rien. T'as compris, frère. Ça me fait plaisir de dedans. Faire... T'as vu le texte, je l'écris dedans. Mais après ça, c'est... Ah, mais il tue le texte, là, ça. Et ouais, en tout cas, ça me fait plaisir, c'est, merci. C'est tellement... Enfin, c'est tellement vrai, en fait. Faut que je dise un truc aussi. Ouais. Dans ma vie, le premier qui m'a...
tu vois, que j'ai fait un featuring qui était connu un peu et tout. Dans ta chambre, Ramzé, tu connais les instruments. C'est là, il est là, c'est lui, c'est Kara. C'est pour ça, frère, il fallait que tu viennes sur ce projet. Est-ce qu'il y a possibilité de retrouver l'enregistrement? Le J, ça fait plaisir sur Abba. Merci, moi aussi, ça fait plaisir. Et le J, il sortait pas le projet s'il n'y avait pas Kara, je pense. Parce que jusqu'à la dernière seconde, je le confirme. C'était l'artiste qu'il fallait partout. On l'a cherché partout. On l'a cherché partout, durant tout, pendant 2 mois. Surtout que Kara, je parle parce que j'étais dans son groupe. Donc je le connais très très bien. C'est ça. Kara, c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup, qui a aidé beaucoup de gens. Et qui est souvent dédicacé aussi dans les titres. Il a aidé beaucoup beaucoup de gens. Ouais. Et même des clippers comme Hansley, j'ai parlé avec lui dernièrement, qui me disait que la première fois qu'il a fait une vidéo à Marseille, c'est Kara qui l'a ramené. Donc je pense que c'est un grand monsieur, Kara. Merci, Kara, frère. Merci. Voilà, ça me fait plaisir, ça me touche. Même moi, ça. Et Kara, du coup, est-ce que c'est aussi pour ça que sur ton couplet, tu dis notamment voilà, y a, ici, je me sens chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon quartier, en fait, je parle, parce que Félix Piat, c'est chez moi, tu vois. Mais ça s'applique à ici, par exemple, enfin, au fait d'être avec tous ces artistes, le plateau. Moi, ça me fait plaisir. Il y a AV, Bilka, Ghetto Phénomène, il y a Jul, il y a Kamikaze. Il y a Phare de Puissance Nord, ça tue ça. Pour moi, c'est comme un, c'est comme fait. Un chronique de Mars, mais version 2020. Tu vois ce que, je veux dire en fait. Voilà. Bilka, j'en profite aussi. On a plus l'habitude d'entendre sur des sons un peu plus peut-être dansants. Peut-être. Ça te fait quoi de poser sur des sons un peu plus posés, un peu plus mélancoliques? Franchement, ça fait plaisir. Tu vois, quand j'ai entendu l'instru, je me suis dit que c'était bien. C'était le moment de kicker un peu. Ouais, après, c'est vrai, nous, la couleur de notre groupe, tu vois, c'est plus des sons ambiançants un peu en général. Mais après, ça fait plaisir. Et de poser avec tous ces messieurs, ça fait plaisir aussi. Tu vois, on se connaît tous. Ah, tu vois, déjà depuis longtemps. Ce qui rappe lui aussi à la base, c'est des instruments comme ça. Lui. Ah ouais. Donc t'es revenu à tes premiers. C'est vrai, même le J, que tout le monde dit, faut que tu rappes et tout. Donc en fait, t'as fait re-rapper, énerver tout le monde. Franchement, non, mais ouais. Ouais, motif. Parce que t'avais cette idée-là. À peu près, je les ai déjà tous écoutés plusieurs fois et tout. Je sais à peu près. Il y a des trucs que j'ai tenté, mais il y a des trucs que je savais. Voilà, je savais que ça allait marcher. Ça allait comme un gars. Mais moi, j'ai toujours rappé énervé. Moi, j'ai toujours rappé. Je te disais, quand je t'ai dit que c'est la salle, c'est la salle. Tu le sais. C'est la salle équipe. Kamikaze, est-ce que toi aussi, comment t'as appréhendé ce morceau et le fait de partager ce morceau avec tous ces artistes? Pour moi, c'était un honneur de poser sur ce morceau. Surtout avec des rappeurs comme Toninho, comme Phare, Puissance Nord. C'était des gens genre, que j'écoutais au collège, genre, tu vois. Genre, je rappais même pas, j'écoutais ça, tu vois. C'est un peu eux qui nous ont donné envie de rapper. Et aujourd'hui, t'as vu de poser avec eux, c'est un honneur. C'est la force du J. Et merci le J. Et merci le J. Merci. On a tout le monde sur un merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était la 4e équipe pour le morceau La Nuit. On va enchaîner. On va enchaîner avec une 5e équipe. Vont nous quitter. On les remercie. Bilka, Gia, Phare, Kamikaze, Kara. Et Toninho, et arrive à la table, ou reviennent, Alonso, AM La Scampia, As, Wari, Tabichi et Zbig. Là aussi, je pense que vous avez deviné. Maintenant, il ne reste plus trop de morceaux qui n'ont pas été faits en live. C'est évidemment le morceau Warzone. Ouais. C'est cool. Ouais. Je vais trop vite en fait. Non, mais c'est. Ça va. Bon. Non, mais c'est parce que c'est la guerre en fait. Ouais, c'est ça. Ça devient un terrain de guerre. Dire ça que Naps n'était pas là aussi. Ouais, Naps n'est pas là. Lundi. Ouais. Et donc, j'en profite quand même pour donner quelques chiffres, parce qu'il y en a qui sont assez considérables, sur le single Bande Organisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le single qui s'est placé, donc single de diamant, le plus rapidement dans l'histoire du rap français. Donc, c'est assez colossal. Et merci. Ça fait 9 semaines qu'il est numéro 1 des charts partout. Donc aussi ça, gros score. Donc franchement, très organisé, platine, voilà. Et merci bien, c'est organisé comme dans Hit, j'ai envie de dire. Et du coup, vous êtes fiers, les gars, d'être sur ce projet, vous? Moi, franchement, je suis tarpin fier, tu vois. Il y a mes petits frères qui sont là, tu vois. Tabidji, mes enfants, ils sont fans de tous ces rappeurs qui sont là. Wari, Ascampia, tout ça. Et merci bien, merci, franchement. Voilà, c'est pareil, il y a les grands frères qui sont en face de nous. Voilà. On a grandi avec leur culture et maintenant il y a la nôtre, il y a la leur qui est inculquée dans la nôtre et on avance. Mais c'est intéressant parce que rien qu'avec ces tables, on pourrait écrire des livres et des livres sur le rap de Marseille. C'est sûr.
ça documente, voilà, ça documente l'histoire. On a plein de grands noms sur ce projet. Et Michel puis aussi, Alonso, ce qui... ouais, c'est ça. À la table aussi. Évitons d'être chargé vers le port. Lui, c'est Highlander, il veut pas vieillir, lui. Non, pas, voilà. C'est comme la vous tous, c'est comme toi, ma race. Vous nous avez bercé, les frères. Et oui, merci. Les deux, voilà. C'est carré. Voilà, ça va? Ça va. Ça se passe? Il manque qui? Il manque le J. Il va arriver. Tranquille, on va se taper la discute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le ressenti par rapport à ce projet, Alonso, par rapport au démarrage, etc. Et même l'univers, tout ça. Moi, sincèrement, je crois que j'ai fait un Insta où je pense que j'ai tout dit. Au-delà des chiffres, pour moi, le plus important, c'est le signal qu'on a envoyé au rap français. Ouais. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Le signal, il est terrible. Il est énorme. Tu vois, sans citer de nom, moi, je sais que là-haut, ils sont tous en train de se mordre les doigts. Sincèrement, tu vois, mais c'est positif. Parce qu'on renvoie un signal incroyable. Quand je leur dis qu'on a un groupe WhatsApp où on est 50 à discuter, les gens, ils hallucinent. Ils hallucinent. Parce que voilà, je pense que tout le monde l'a dit depuis le début, il y a toutes les générations, il y a tous les quartiers, il y a tous les secteurs, les environs. Chacun amène sa pierre à l'édifice et on est tous contents. Au-delà des chiffres, après les chiffres, pour moi, bien sûr, c'est la récompense. Quand tu travailles, tu bosses, tu vois obtenir des résultats. Mais au-delà de ça, je l'avais dit au J parce que quand j'ai assisté, je crois, mon premier titre que j'ai enregistré, c'est l'étoile sur le maillot. Et je ne voyais pas de caméra. Je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte, en fait, de ne pas filmer ça, c'est incroyable. Et après, ça sortait des téléphones, donc on a des images. Parce que, sincèrement, même les plus jeunes, quand ils vont revoir ça, c'est une grosse gifle, en fait. Voilà. Merci. Est-ce que le Comorien Corse est prêt? Eh oui, je pense qu'on peut lancer le morceau. C'est Warzone. Let's go. C'est parti. C'est parti. Je suis un Comorien Corse. J'ai des éclaireurs postés un peu partout dans le hood. Dans le 13, y'a la frappe qui vient de la boîte Raoult. Amorcé, c'est la guerre, t'inquiète, j'en veux que rock good. J'suis dans mon mood. Les MC s'effondrent comme à la rue d'Aubagne. Aux Pays, ils ont Kaylin, Oma et Wagenham. On n'a pas les Champs-Élysées, en marchant bande organisée. T'as la calage et l'RPG, Marseille très organisée. Tant que check, c'est le vert dance. Passe au charbon, y'a même une Happy Meal. Besoin de compter, de sentir le papier. La pauvreté, ça nous fait gamberger. J'arrive en 2-2, c'est hard. C'est dark quand on débarque. On est dans le jeu, on est dans le bain. On est dangereux, t'inquiète, on est tarpin. T'inquiète, on est tarpin. Fais tourner le tarpé. Tu connais le cartel, tu connais le quartier. Tu l'as quitté par tel. Bordel, et t'harcèles, et t'as fait un bordel. J'suis dans mon cocktail, mon album. Ça vient de Marseille, poteau, ça cartonne. Là, j'vais à l'hôtel, au Carlton. Elle me cherche depuis que j'suis dans le top 10. Wanted, trop de dettes, poussette, ça sent la cachette. Et ta pute, elle est pas bonne, elle est refaite. J'te fais un trou quand tu veux sur la A7. La guitare, le mitard, ça hagarde, j'entends ton rancard. J'ai les yeux rouges devant les motards. J'ai mis un réseau dans mon pétard. Y'a pas de Tupac, pas de Biggie. C'est Marseille, ma habiba. Et les tétés, j'ai commandé ta cosse sur ce Biggie. Je les ouais, je me rhabille pas. Et les tétés, que des cassos. Ça sort dans la fosse, ça sort le matos. Ça sonne vers la rose, ça lève le cross, beau gosse. Ambiance atroce, et pas le chauvatos. Y'a pas des assos. J'suis pas de ceux qui parlent sans savoir. Les couilles, c'est pas dans ma bouche qu'il faut les avoir. Fais pas la pire pute, descends pas tout le monde pour la gloire. Tiens, voyou toi, que quand tu te mets à boire. Les nerfs à vivre pour le bif, ça chasse le king. Ça veut braquer ta recette, ça veut t'es loqué. On est dans la Warzone, j'te fais pas de croquis. Tu fais le vaillant dans la boîte, sors sur le parking. C'est dangereux comme quand t'es cocu. Ou quand ça vient chargé en gros cul. Tu comptes sur une salope, qui compte sur une salope chargée. J'vais leur dire qu'il veut une balle dans le cul. Une poursuite dans la tête, une moto en l'air. Quand c'est pour délover, t'es toujours à l'heure. Même à ton ami, tu souhaites le malheur. T'as une gros porte-couille, j'te donne pas l'heure. RSQ3, j'ai la bandite. C'est la Warzone, rend nous visite. On m'appelle la machine que des gros hits. On est très organisé comme dans Hit. J'fais ce que dans le milieu, tireur d'élite. Ça va faire 7 piges que j'suis dans l'élite. Les petits ont les dents, ils veulent se faire Little. Little, j'vais mourir comme la star des Beatles. Combien j'en ai fait profiter des profits. Dire que je vis ma vie grâce à l'audit. Ni que les jaloux, j'fais crier l'audit. Ça pilote mieux la moto que le monite. Warzone, elle fait de la place. Millionnaire, bien
je viens de la case. Warzone. Ça tille sa brasse, ça crosse sa braque pour se cache la blague. Warzone. On a faim sa mère, y'en a qu'un les dents, y'en a qu'on pas de salaire. Warzone. On rapplique, très organisé comme dans Hit. J'arrive dans la zone, le petit regarde de travers. Il me dit, je t'ai jamais vu, normal, j'ai l'âge de ton père. Même si tu fais ton job, ne fais pas ton gangster. Tu vas manger une grosse taque et tu vas tomber par terre. Je fais le hazi, demande à Kouzi, comme la série de Massi, là tu pars chez dans le Mazi. Allez vas-y, joue le nazi, ça fait fume, fume. Devant la voisine, y'a que la coco, ils ont chargé le produit. Mais toujours les mêmes blocs depuis l'époque de Gandhi. Lève à mon auto et fait mouiller les gadgets. C'est toujours les mêmes folles attirées par les bandits. Welcome dans le Vex, welcome dans la Warzone. Mental de fils de Joe et Parton. Ça te visère, ça te parle mal. Un 3 ça vend par kill, ça vend par tonne. Tu mets trop de temps, pas besoin de toi. Petit mouton, je te mets un doigt. J'y vais doucement, j'y vais tout doux. Jamais j'ai porté de gants comme toutou. Ouais, truc de fou sur le pont à la race, bye. Visse le coup sur un T-Max, bye bye. Très organisé, poteau, c'est costaud. Au pire, on sortira le V2 pour les ratailles. Préviens ton fiston, j'avance en piston. Tu me joues les serpents, je te sors le piton. La street sur guidon, qui cherche la plata. T'arraches, tout est mort, t'arraches ta tata. Pa-pa-pa-pa. Fusil de chasse, on va pas se taper. Ramène-toi, on va voir Statam. Y'a que les trucs, on a pas tâté. De K20, ça vise pas la taille. Comment tu fais pour l'esprit? J'ai tendance à me brancher l'esprit, ça se fini mal faire vaguer, c'est ce qu'on jamais. Touche la mif, enchaîne neuf. Marseille vif, y'a des boîtes chez neuf. Grosse berline, petite palette, ma baby. Hey, si je cache, où j'ai mis ça comme tout ce que je gagne. Tu bois toujours gringo, à tout qui passe, destine, je tape. Hey, si je cache, où j'ai mis ça comme tout ce que je gagne. Tu bois toujours gringo, à tout qui passe, destine, je tape. Warzone, elle fait de la place. Millionnaire, bien, je viens de la case. Warzone. Ça tille sa brasse, ça crosse sa braque pour se cacher la blague. Warzone. On a faim sa mère, y'en a qu'un les dents, y'en a qu'on pas de salaire. Warzone. On rapplique, très organisé comme dans Hit. Warzone. Merci bien. Merci. Merci les gars pour ça. Il est arrivé le morceau. C'est chaud le morceau, les gars. C'est ça le live, on sent le concert ça. C'est ça le concert. Ah. C'est ça le concert. Tu vas nous annoncer ? C'est de fou. Non, franchement, c'est le son capable. À chaque fois, projet 2, nouveau clip, concert. J'essaie de tirer des infos. À voir. C'est quoi le meilleur ? C'est quand ça vient comme ça. Surprise. On va voir. Quand ça vient à surprise que personne s'y attend. C'est ça. Ça va ? Ça va et toi ? Impeccable. Est-ce que ce morceau, ça te donne envie d'aller à la guerre ? Fort. À la guerre au feeling en plus. Ouais. Je dire. Comme il ça s'est fait le comment, morceau. Ça se fait comment au niveau du choix, enfin voilà, de l'écriture, ça se fait comment ? Ben écoute, un peu comme tous les autres morceaux, ouais. Le Gilles nous a envoyé une prod par groupe, tu vois. Nous a réunis dans un groupe, il nous a envoyé la prod. Et il nous a donné le thème, tu vois, il nous a dit un peu la Warzone. Moi je savais même pas c'était quoi la Warzone, tu vois, je joue pas. Et maintenant, tu sais ce qu'est la Warzone ? Ouais, tu fous ça qu'ils m'ont expliqué et tout. Explique-nous, parce que je crois que. C'est la zone de guerre, frérot, j'ai compris. C'est ça, frérot. C'est ça, c'est la Warzone, c'est le pillage. Moi, je suis FIFA, frérot. Ouais, moi aussi. Moi, on a décroché. Mais bon, là, tu as eu pour te détendre des fois quand tu perds à FIFA et tout. Après, tu te mets sur Call of, tu te détends bien, tu as eu. En mode Warzone. Et après, la Warzone, c'est quoi aussi ? C'est, tu vois, la Warzone, c'est la zone, en fait. Tu vois, c'est ce que je veux dire. En fait, la vérité, dès qu'il est sorti ce jeu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Ils ont tout compris. Ah, ça se tue. Mais là, je viens d'apprendre quelque chose. Même pas, t'avais pas l'intérêt. Pas du tout. Mais franchement, mais comme a dit Warzone, d'entrer la zone, déjà, même l'instru, elle parle elle-même. L'instru, c'est ça. C'est la guerre. Bordel, c'est la guerre. Dans le verdance. Je le sais. Totalement dans le thème. Dans le verdance. Tu connais. Et t'habites du coup, ouais, toi, tu fais des ambiances. Uh-huh. Là, c'est une ambiance un peu, on part cardio quand même un petit peu sur ce titre. Ouais. Mais sinon, c'est quoi la prochaine ambiance ? Il va se passer quoi un peu ? C'est-à-dire, j'ai pas compris en fait. Au niveau de l'actu, qu'est-ce qui va arriver ? Y a des trucs ou pas ? Ben, dans le morceau, ben, j'en parle de l'actu. Maïva Guénam. Maïva Guénam. J'en parle dans le morceau. Non mais quand tu dis ça... Ouais, on dirait que c'est un duo, hein. Il y a un duo qui arrive. Il y a le petit son qui arrive. Eh oui, il y a le son qui arrive, Maïva Guénam. Il y a un projet. Ouais, il y a un projet aussi, temps plein. D'accord. Parce que je fais que des temps pleins, pas de mi-temps. Ouais, c'est bien. Et le projet temps plein, parce que c'est travail de forcené. Acharné, ça bosse tous les jours et il va sortir début 2020. Début 2021. Ouais. Merci bien. J'en profite, je rebondis pour Alonso. T'aimes bien toi aussi partir à la guerre sur ce genre de son ? Ouais, moi ça m'a de suite. Moi j'écoutais les instrus directement en studio. Je préfère parce que j'ai jamais réussi à écrire à la maison.
Donc j'écris toujours sur place et de suite ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré, ça m'a parlé. Voilà. Et j'en profite, je sais que tu prépares un nouvel opus. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus? C'est le volume 2 de Capo Décapi. Voilà, c'est une mixtape. La première, je crois qu'elle est sortie en 2015. Entre temps, j'ai fait plein d'albums. C'est une mixtape où il y avait le morceau Finilé. La première collaboration d'ailleurs avec le J, Normal. Voilà, c'est la première. Ouais, c'est la première fois. Après, on en a fait 350. C'était une frappe aussi le premier. Ouais, ouais, c'était une arrivée. C'est un classique. Et là, il y a le volume 2. Logiquement, j'ai pas de date, hein, frérot. On verra. Ouais, début d'année 2021. Je sais pas, on verra. Je me permets, j'ai eu la chance d'en écouter quelques-uns. C'est vrai. Merci c'était beaucoup. C'était très, très prometteur. Merci beaucoup. Très, très prometteur. C'est gentil, merci. Esbig, tu prépares quelque chose? Un projet? Pour l'instant, on est dans une série de freestyles. Ouais. Après les freestyles, on verra. Peut-être une mixtape ou un petit EP, on verra bien. Ouais. Très souvent masqué dans les freestyles. Un peu long. Under. Ouais. Pas plus. Hein. L'anonymat. Ça n'a pas de prix. Exactement. Ouais. Voilà, si j'avais su, j'aurais rappé qu'un boulet d'entrée. Voilà. C'est mieux. Ouais, même moi, j'aurais mis un casque à la Daft Punk. Si t'avais dit une fois, si tu pouvais revenir en arrière, tout le monde aurait fait. Ça n'a pas de prix. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais. La tranquillité. Ouais, très bien. Et pour continuer un peu le tour actu, Waris, il y a des choses qui arrivent. Il y a des titres qui sont déjà sortis, bien sûr, mais. Ouais, comme d'habitude, il y a des petits sons à droite à gauche. Après, il y a des projets en cours. Phénomène aussi, il y a le Acha des ténèbres. Franchement, ça c'est un morceau. Juste à côté, il y a l'auteur. Excuse-moi d'avoir été coupé par rapport à ce morceau justement qu'il a sorti, Acha des ténèbres. Et je vous conseille un clip qu'il a tourné à la Paternelle. Franchement, c'est un clip de c'est une tuerie. Donc à la Paternelle, on prend pas qu'un coup. Franchement, on est au Brésil. Il y a Alonso encore. Il n'y a pas yo-yo là-bas. Franchement, il y a Ben la vérité, moi, ce qui me régale, c'est quoi? C'est que V. Ghetto Phénomène, on a fait le feat avec Alonso. C'est Jules qui a réalisé le son. C'est vrai. On a fait un clip de baiser. Il tue. On a réuni un ancien dans le son. Tu as un autre ancien qui valide. Tout est bon. C'est cool. Et quand je dis ancien, c'est pas péjoratif. C'est C'est comme si tu parles de moi, du frangin. C'est des légendes. Voilà, d'être un ancien et d'être assis là. C'est n'importe quoi, bro. On n'a pas beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, les gars, merci à vous. Merci pour ce morceau. Merci pour ce live. C'était la cinquième équipe pour Warzone. Et merci. Et merci. Merci vraiment. Merci bien, Warzone. Merci bien. On va enchaîner avec des artistes, avec les dinosaures. C'est comme ça que je les présenterai. Les dinosaures, mais qu'ils existent encore. Exactement. Ils nous ont toujours fait rêver, les dinosaures. Hein. On ne sait pas, hein. Ils existent, ils n'existent pas. Mais là, ils existent et ils vont être là, en fait. Ils vont être là et ils sont chauds. Ils vont cracher. Alors, attention. Akash, Shuriken, Phare, l'Algérino et SCH arrivent à la table. Ça veut dire que je reste, alors. Hey, je suis là. Bien sûr. Un petit dinosaure. Mais tu es un dinosaure quand même. Ouais, mais un petit. Un dinosaure quand même. C'est déjà. Et vont nous quitter AM Lascampia, As, Wari, Tabichi et Zbig. Vous l'avez compris, c'est le morceau Je suis Marseille. C'est le morceau sur une instru légendaire, un morceau Marseille la nuit, qui était sorti à l'époque sur, vous me dites si je me trompe, sur Taxi 1, c'est ça? L'instru a été sorti à l'époque sur Taxi 1, Marseille la nuit. Et donc voilà, ce morceau est d'ores et déjà légendaire. Messieurs, je pense que vous pouvez vous installer. Ah. Et merci. Narjas, tu te rappelles de Taxi 1 ou pas? Ouais, c'était il y a longtemps. Vous avez quel âge? Au début des années 80, exactement. Non, c'est morceau incroyable. Tu te souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient? Ça me parle. Tu te rappelles? J'ai déjà entendu parler. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Un bec? Et Taxi a été enregistré dans cette pièce même. C'est vrai? Le morceau. Au Recording Studio. Oui, et dans cette pièce, Marseille la nuit a été enregistrée ici, ainsi que pas mal d'autres morceaux, on en avait parlé. Ouais, c'est vrai. Dinguerie, tout ça. Vous appelez à l'ancienne cartouche. Il y a quelque chose ici.
Il y a carrément quelque chose. Là, c'est le choc des générations, quand même. Ici. Ouais, ben, je pense qu'il va falloir être à la hauteur de toute cette histoire. Sans vous mettre la pression, bien sûr. Il faut. Et je pense qu'on peut envoyer le, on peut envoyer le morceau. C'est Je suis Mars. Tout le monde est prêt? Attends, tu connais ton texte, Jules? On est prêt. Parce que moi, j'ai pris des pinces bêtes. J'ai pris des pinces bêtes. J'ai pris des pinces bêtes. Sur Instagram de 10h. Et j'espère que vous allez kiffer. Ben, c'est Je suis Marseille. Je pense qu'on peut envoyer l'instru. Allez. L'école était accrochée à un flanc de colline, surplombant une ville vieille de 3 millénaires. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux. Vous êtes à Marseille. Yes, un. Très organisé, Imperial Asiatic Man, yo. Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines, où la jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes naient les chrysanthèmes, et que les grands baladaient les fers dans les vestes. On s'est ancré dans mon ADN, claque des KDM. On refait le monde assis sur le capot de l'ABM. Coincé entre mépris, les poches gonflées de thunes et les buts insipides des bouffes qui se font gonfler le cul. Je suis un enfant des grues des containers, mais considère que ce petit domaine de terre nous confédère. On suit la voix du mic de la Solia Benza, IAM, MRS, Independenza. Je marche en mode organisé, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Vois pas si tu sais pas teaser, tire pas si tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisait. Samedi soir électrisé, pareil que ça se fight au vieux port. Sorti de boîte arrosée, Bruncha ça veut s'arroser. On passe en décapotable, comme des bad boys, mais vu nos têtes, Chiquita elle veut pas causer. Elle sait que ça veut pas se poser. C'est la guerre comme Savastano et Salvatore Conte. Les petits savent pas lire mais t'inquiète, savent conduire et compter. Règlement de compte, tout cagoulé comme sur l'île de beauté. Fais gaffe, tu peux te faire donner par un mec dans le bar d'à côté. On dit plus Versace, on dit chemise à l'Alger. Lunettes quartier, les petits ont repris le renté. Bois un coup à ma santé, c'est PD font que me rester. Change de fuseau horaire, fais le tour du monde, tu jet lagué. Marseille la nuit, ça roule en bolide. Brelique, ça veut du liquide. Wahed hypocrite, tu portais le masque avant le Covid. Ça va trop vite, même ton ami te trahit. De rafale et présente les condoléances à ta famille. Les petits en roue arrière, sur la canebière. Sors le cross volé, j'ai vu sur la mer. J'ai trop vu la mer, arrête de t'affoler. On fera pas affaire, tu prêtes 20 000 euros pour pas te rembourser, il est capable de faire. On bosse avec des couches tard. Eh ouais, l'Alger de la case, on bouge tard, on bouffe tard. La quiche t'as ou la pouche. Tous les jours j'attends mon heure, les genoux nourrissent ma peur. En cours, j'étais rêveur, mais mes couilles, c'était mon moteur. L'adresse, c'est quartier nord, les traîtres, c'est la bac nord. La brèche, c'est le disque d'or et le reste, c'est du désordre. Eh ouais, amour aimé en Marseille, c'est devenu rire. J'ai les mains dans la chra, depuis ma clé, oh mon pote, j'en deviens malade vegan. J'fume que la salade des boîtes, faut du recalage de billes, combien le calage. Joule, c'est normal, I am, c'est normal. Les louches, c'est normal, Tricat, c'est normal. SCH, c'est normal, Alger, c'est normal. Va'a, c'est normal, la lance, ouais c'est normal. J'suis Marseille, drapeau ici, comme d'un hit, ça va tirer. On se propage, y'a pas de remède. C'est le 13, organisé, le produit légalisé. Eh ouais, de ma ville, j'suis tombé love d'elle. On a zoné sous le soleil. Bang, bang, bang. Tu nous connais, Madin Marseille. Bang, bang, bang. Basse d'où les coupables, ville juge est coupable. S'rap, c'est la soupape. Et Notre-Dame nous garde. On parle pas de quotas, diversité incroyable. Faut-on pas de faux pas, 10 000 MC à la table. Relis bien le contrat, on rentre pas à l'étable. Vérifie le combat, on voit que nos gueules sur la carte. Et si on donne ce qu'on a, afin que nos gens nous épargnent. C'est pas ce marque, c'est une arme, mais nous c'est putain de balle. C'est elle qui nourrit nos âmes, l'automate de nos vies. Vas-y, traite-nous de sauvages, une mère connaît ses petits. Et plus il en viendra, plus il en aura sur le parvis. Tu sais ce qu'on dit, blason brandi et c'est reparti. N3, on remet ça, je suis Marseille, les frais le savent. Tu perds 13-0-13, le crime est sale. Le message pour les braves, le métal pour les traves. Une rafale pour les poucaves et les poutas. Ancienne école, nouvelle école, tu croyais quoi? Ça bouge pas, on veut tout prendre, quitte à te faire danser la zumba. Dans nos halls, on vise le haut, pas le choix, c'est normal. Faut que ça rentre comme si c'était le dernier repas. C'est les quartiers nord, quartiers sud, CV. Ouais, ouais, j'ai pas rasé les murs, je les ai rayés, hein. Elles veulent plus d'amour, elles veulent ta CB. Ouais, ouais, nos rues restent un cauchemar, même éveillé. Tu sais comment on fait, tu sais comment on est, tu sais comment on sait.
trempé dans l'aluminium, pense à son venime, elle est toxique au surhypnol. On veut soulever la coupe, l'opinel entre deux côtes, sans sur les switchers, du talon des prothèses de la caisse, il sort que des chocs. J'serai jamais vraiment niche, riche du cœur et riche, j'suis fort et tout, mais n'est pas la personne qui les digère. J'vais pas mourir de vieillesse, flash devant la lime, c'est tout pour le frigo, c'est tout pour la frime. J'arrive comme un ouvrier branche en putain madre et mal poli, tellement de floconneuses qu'on se croirait en Laponie. Front du collier à la Tony, s'autogère comme à Napoli. Terre de geeky, pop pop à l'agonie. J'suis Marseille criminogène, la grande cité des rêves. J'suis l'amour entre les reilles, j'suis la guerre entre les reilles. Personne d'auréolé, un 3 te mettra la trique. Mais quelque chose d'auréolé, un 3 te mettra à trique. Quartier S, quartier M, tombe pas dans le même sens que le globe. Que de l'avant, droit devant, toujours dans le même sens que le Glock. Qui trahit le pacte, finira comme le pack. La vie sépare la mort et le rap rassemble les foules comme le pape. Bang, bang, bang. J'suis Marseille, drapeau hissé comme d'un hit. Ça va tirer, on se propage, y'a pas de remède. C'est le 13, organisé, le produit légalisé. Et ouais, dans ma ville, j'suis tombé love dead. On a zoné, sous le soleil. Bang, bang, bang. Tu nous connais, Martin Marseille. Bang, bang, bang. Aïe, c'était vraiment la West Side de Fada. On est d'accord, hein? Ouais, ouais. 9 fois. Écoute-moi, c'est la West Side de Marseille. Énorme, c'est incroyable. Je l'ai toujours dit, puissance nord, la West Side de Marseille. Mmh. Voilà, les refrains de malade. Il s'est passé quelque chose hein, quand on a trouvé le refrain. Ouais. Le morceau, il a pris vraiment, on en a discuté avec Fara, il a pris une autre dimension. Alors, j'ai une anecdote pour le début. Très bien. Pour dire que entre les générations aussi, qui a une forme de, pour nous, ça nous a touché, une forme de respect. Parle au de début, l'autotune, hein, parle de l'autotune. Voilà. On va crever l'abcès. On va crever l'abcès. On va crever l'abcès. Le choc des générations. Laisse parler les chefs. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que quand ils ont essayé des refrains à l'autotune, des adolibes, les trois et Phare, quand ils ont essayé le truc, ils se sont tous retournés vers Joe et moi comme ça, ils nous ont regardé. Et j'ai trouvé ça touchant. Je sais pas si vous comprenez ce que. Moi j'ai compris. À un moment donné, on peut ne pas tomber d'accord sur des utilisations de trucs. Et bien que l'autotune, encore une fois, et je profite de préciser, c'est la manière dont tu l'utilises. De l'utiliser, oui. Moi, c'est ce que j'allais dire, parce que avec ou sans autotune, moi, pour moi, ça top line. Le refrain, il est énorme. Donc, Mais vous rappelez l'album Carte Blanche? Et en vrai, je trouve que l'APN, c'est les vraies sonorités Los Angeles. Je suis d'accord. Tu vois, oui, monsieur. Vraiment, oui. Mais et comme personne à Marseille, tu vois, c'est vraiment eux qui ont une vibe très West Side. West Side. Ouais. West Side. Mais cette West Side, elle s'est retrouvée énormément chez Zap. Ouais. Et du coup, en fait, et on discutait de ça avec Samir, mais le rail a énormément été inspiré de ça. Bien entendu. Alors je t'explique. Tu parlais de ça avec Samir. Il a une autotune dans la bouche. Petite parenthèse. Bon. À la base, je suis mal à l'aise avec l'autotune. C'est-à-dire que c'est une sonorité qui m'a un peu froissé au début. Ouais. Et surtout que dans le rail, gros, à l'époque, on utilisait l'autotune, mais sur le refrain. Mais dans le rail, pendant 8 minutes. Ils te mettent de l'autotune. Exactement. Donc, ça fait partie de l'esthétique du morceau, en fait. Exactement. Au départ, donc, c'est un peu dur, mais après, quand ton oreille s'habitue. Tu peux sortir des choses magnifiques. Et je t'attends. Et au début, quand c'est sorti, j'ai dit putain, j'ai l'impression d'être à la rue d'Aix. Ça me rappelle quand j'étais minot, je remontais à la rue d'Aix et j'entendais les magasins qui vendaient les cassettes d'oreilles. C'est toujours le coup. Pour revenir sur ce titre, Je suis Marseille, en l'écoutant, Shuriken, il y a un truc qui m'a particulièrement touché, c'est qu'on ne dit pas je suis Marseillais, c'est vraiment je suis Marseille. C'était choisi. Oui, parce que chacun de nous peut. Non, en fait, chacun de nous peut s'accaparer cette phrase. Ouais. C'est l'idée de Jules. Ouais, c'est le G. Ouais, c'est le G qui a trouvé l'idée. C'est le G. Ça ressemble à tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans cette phrase. C'est vrai. Tout le monde se ressentait dans cette phrase. Hein. Je suis Marseille. Tous on représente Marseille. On fait des tas de choses pour Marseille. Et on parle toujours de Marseille tout le temps. Voilà. Justement, ce casting, c'était un casting de rêve.
Ouais, déjà pour moi, comme j'ai dit, quand je posais, pour moi c'était un rêve. Hein. J'étais avec tout ce que j'écoutais quand j'étais petit. C'est un rêve, tu vois ce que je te dis. Et voilà, je leur ai dit. Hein. J'ai dit direct. Hein. Quand ça a fini le son, j'ai dit truc de fou, tu vois. Et même sur j'ai le dit, choix. C'est un rêve pour moi de poser avec. Mais ce qu'il y a de bien, les projets collectifs, je trouve que c'est quelque chose. Ça rassemble les générations, ça rassemble aussi des artistes qui sont confirmés avec d'autres qui sont moins confirmés. C'est important. Je pense que dans le public, au bout d'un moment, il aime aussi, on reste des animaux sociaux, on va dire. Et les gens, ils aiment bien que les artistes se rassemblent. Et je trouve que c'est un beau projet. Même on parle de positivité. C'est perçu d'une manière très positive. Voilà. C'est un beau signal, ouais, hein, surtout dans des périodes compliquées comme maintenant. Ouais, surtout que là, en plus, c'est un concert aussi pour le public. Donc ça amène de la joie et de la culture aux gens. Et du coup, c'est assez incroyable à regarder. Je sais que dans les commentaires, ça revenait beaucoup, ça, justement, le côté on peut voir des artistes qui chantent. Et du coup, merci beaucoup. Et pour rester dans le sens de ce dont tu parlais, Tariq, à savoir le casting un peu de rêve, SCH, quand on se retrouve sur un morceau comme ça, on se dit aussi que ça doit être casting rêvé. Ah, c'est Laura Luciano m'a gâté, alors. Évitons d'être chargé vers le vieux port. J'allais te dire, tout dépend d'une chose, évitons d'être chargé vers le vieux port. Non, dis-moi, ma gâté. Non, je te demandais par rapport au casting, parce que là, c'est quand même un gros casting. Donc, du coup, c'est. Ouais, c'est les Avengers. C'est le choc des générations. Et franchement, pour la musique. En fait, comme a dit, je sais plus qui tout à l'heure. Mais Jules, au-delà d'avoir fait un projet musical, il a fait un vrai projet social. Et tous ceux qui font partie de ce projet peuvent en témoigner, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine unité qui s'est créée, alors qu'en vrai, on se connaissait tous plus ou moins de vue ou par l'intermédiaire de gens qu'on avait en commun. Et aujourd'hui, il y a un truc qui est vraiment acté dans tout ça. Et ça va au-delà de la musique, ouais. Bien au-delà. Et les gens ne se réalisent pas, se rendent pas compte que. Au-delà d'un projet musical, il y a vraiment un projet social qui est en train de se mettre en œuvre, et c'est ça qui est magnifique. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et le choix spécifique de cet instru, la reprise de Marseille la nuit. Il y a eu un débat sur. Il y a eu d'autres instruments. On a voté. On a mis des noms dans un chapeau. On avait fait un groupe WhatsApp spécial sur les amis. Je mets une petite parenthèse. Oui, dis-moi. On rappe quand même à côté de personnes qui ont inventer le rap français, c'est-à-dire que il faut le dire à un moment donné, c'est les mecs ils font partie en tout cas. Il y en a d'autres. Oui, moi je suis marseillais. C'est Ayam qui a inventé le rap français. Ils ont inventé le rap français. Ouais. Donc à un moment donné, voilà, on est là, ils crachent du feu les mecs. Ouais. C'est sur quoi on pose, qu'est-ce qu'on fait, on vous écoute quoi. Mais en fait, on avait fait un groupe WhatsApp avec le J et avec Chill aussi, avec l'oncle. Et voilà, donc ça envoyait des instrus, patati patata. Donc tu vois, après moi tu vois, je suis un peu entre les deux. Donc rigoler. Regarde, je suis un peu entre les deux. Donc je sais ce que Chill il aime, je sais ce que le J il aime. Et le plus facile en fait, c'était de récupérer. De faire un remix d'un son que Ayam avait fait, et on était à la base sur Independenza. Ouais, moi j'avais dit Independenza. Ouais, voilà. Donc il y avait un débat entre Marseille voilà. La nuit et Independenza. Mais saurait tu non, en fait je suis venu de saurait pu être violent. En fait, saurait tuer, mais le truc voilà, il s'emplait à toute patate les mecs, tu vois, les droits et tout, et Marseille la nuit était un titre qui tue aussi. On a tourné pendant longtemps tous ensemble à essayer de trouver un instru qui plaise à tout le monde, et c'est vrai que nous on est assez dur dans le choix d'instru. J'ai dit d'entrée l'instru, ça va être déterminant, et donc j'ai envoyé des instrus strictissimes stricto sensu et donc après on est tombé sur le fait de dire ok, on revisite un classique d'Ayam. Je pense que c'était bien d'éviter Petit Frère, Né sous la même étoile, Demain c'est loin, vraiment les instrus classiques de premier ordre. Et c'est vrai qu'il y a une
on va dire un bundle d'instru un peu moins classique que les plus connus, qui permettent d'être, d'être revisités. C'est vrai que Marseille la nuit, il était vraiment, il se prêtait vraiment à moi, à j'ai kiffé direct. Après, moi, je trouve que le beat, il est, voilà, moi, je trouve que le beat, il est intemporel. Les beats MPC. Et on l'a très vite vu parce que tout le monde était très à l'aise. Oui, c'est vrai. Tout le monde était très à l'aise. Et moi, je pense, ce qui fait la force de ce titre, au-delà de la prod et des couplets, c'est ce refrain de phare. Moi, phare, je trouve. Je propose qu'on l'applaudisse. Moi, pour moi, il a fait de mauvaise humeur. Il a raison. Mais il a raison, Kassim, parce que s'attaquer à un classique comme ça, les gars, moi, franchement, je gambergeais quand on était au studio. Ouais. C'est pareil, on était tous. Et tous avant de venir, je crois, on se disait putain. Et en plus, sortir le couplet, là. Que Chill et Joe, ils sont pas très à l'aise avec l'autotune qu'on a réussi quand même à glisser dans ce morceau. Je trouve que c'est extraordinaire. Mais tu sais que moi je l'ai déjà fait moi dans leur dernier album. Oui, mais toi, il y a un morceau I Am Psychiatre, très beau. Mais dans le studio où on a enregistré, il y avait carrément pas le plugin d'autotune. Allez, ça te va. Moi je demande quand est-ce qu'on aura un morceau de I Am avec un peu d'autotune, parce que je est-ce que c'est Joe, est-ce que c'est prévu? Comment t'expliquer, je sais pas si la machine supportera ma voix. C'est quand qu'on a un projet rap de l'Alger aussi, parce que tu as vu, tu leur envoies des pics comme ça. Merci le SD. C'est bien beau, c'est bien joli. Tu débarques avec ta lunette et ta banane brillante. Envoie-toi du lourd, s'il te plaît. Je te rassure, le S, il y aura du quoi qu'il arrive. De toute façon, dans tous mes albums, il y a des morceaux de rap. C'est vrai qu'on va accentuer un peu plus et on va le mettre. Visuellement, on va le mettre. Je pense que la musique en a besoin. Et évitant d'être chargé vers le port. Pour la culture et tous les gens qui ont découvert l'Alger sur des hits plus ouverts, l'Alger c'est un kicker, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que enfin, peut-être que pour certains, ça a été entre guillemets, enfin, oublié à des endroits, mais c'est la base de la plupart des gens. On est tous issus d'une même école qui est celle de l'écriture et du rap, quoi, tu vois. C'est ça. Et moi, je trouve super dommage qu'aujourd'hui, l'Alger. Non mais regarde, tu me mets dans la merde. Je te défonce l'album. Je vais t'expliquer. Il y a tout le monde qui te met dans la merde. Ouais, vous m'avez tous mis dans la merde. Non, je t'explique. Bien sûr que je vais donner des morceaux rap, c'est obligatoire. Et même moi, ça me fait du bien. Ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, les clubs ils sont fermés. Mais oui, mais de toute façon. Oui, exactement. C'est dans la merde. Non mais ce que je disais. Terminer les boîtes. Ce que je disais tout à l'heure, ça m'a fait du bien. C'est des vacances musicales pour moi. Moi, il faut que je m'amuse et ça m'a sorti de mon quotidien. Si je suis dans une routine artistique à un moment donné, voilà, fais des hits, fais des clubs, fais des concerts, c'est bon, tu sais, faire du rap. Et donc même, personnellement, même moi, ça m'a fait du bien. Donc bien sûr que je vais en redonner. Mais après, tu vois, sans prétention aucune, j'ai un public international. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, me régale. C'est important, j'ai pas l'occasion souvent de m'exprimer. Je profite de m'exprimer sur ce plateau. Juste quand tu dis international, dis-le bien. International. Non, tu vois, tu as une chaîne YouTube où il y a 7 millions d'abonnés. Il y a 50% qui est en France et 50% qui est à l'étranger. Tu es une moula. Ils sont pas forcément. Plus de 2 milliards de vues. Merci. 2 milliards 200 millions. J'ai dit plus de. Excusez-nous pour les centimes. C'est les cents. Je suis obligé. J'en donne un peu pour tout le monde. Ouais, tu vois, j'ai réussi à avoir un public. Ouais, je suis obligé de les régaler. Je comprends. Mais attention, avant de les régaler, faut pas oublier de se régaler. Régale-toi. Régale-toi. Attends. Et évitons de marcher chargé sur le vélo. Je tiens à remercier quand même. Je tiens à remercier quand même parce que lui, il a fait un truc. Je sais même pas s'il est conscient. Non, il s'en rend pas compte. Il est dans sa world. Il est pas conscient que même nous, tu vois, Akhenaton, Shuriken,
ils nous ont inspirés, on était fans. On est toujours fans. On était fans. Dis-toi que rapper sur Marseille la nuit, c'est une dinguerie. C'est un privilège. C'est un privilège. Donc aujourd'hui, un mec comme le J, il a réussi à réaliser nos rêves. Voilà. Ouais, donc c'est vrai. Je demande une applause. Je demande une applause. Peut-être un dernier mot de la part d'Akash ou de Shuriken. Non, ça m'a permis surtout de dans une période un peu compliquée de passer une super journée en studio. L'enregistrement vraiment. Avec tarpin d'hamburger. Hein. Ça s'est fait en journée, c'est ça? J'ai la dalle. C'était très brumeux, un peu trop brumeux à mon goût, mais c'était vraiment une super journée. À mon niveau de l'état d'esprit, on a pu discuter de. Non, mais est-ce que. Au-delà de tout ça aussi, c'est que ça reste une réunion d'artistes, quoi. Au-delà du côté multigénérationnel, du côté multisocial, du côté. On s'est retrouvé en studio comme des artistes. Chacun est venu, chacun a écrit son texte dans un coin, chacun a fait écouter à l'autre, chacun. Comme ça se fait depuis la. J'ai envie de dire la nuit des temps. Et ça se ressent vraiment quand on vous écoute. Et souvent, quand il y a ce débat, le rap c'était mieux avant, le rap c'est mieux maintenant. Là, on sent vraiment que. Le rap, ça sera mieux demain. Mais bien sûr, ça c'est une phrase frustrée. Mais j'ai envie de te dire une chose qui est importante. Est-ce qu'au début des années. Est-ce qu'au début des années 80, tu te souviens des soirées? Tu te souviens des soirées? Voilà, là, les mecs rentraient, Stan Smith au pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle de 3/4 en cuir, roulaient autour du bras, Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins. Merci beaucoup à cette table légendaire. Merci à tous les artistes qui étaient présents autour de cette table. Merci à vous. Ça, on touche bientôt à la fin de la soirée, ou du moins des morceaux diffusés en live. Mais vous savez que l'un des hymnes de ce projet, c'est évidemment Bande Organisée. Et donc, on est obligé de rappeler sur scène les membres de cette équipe de Bande Organisée. Elam, Swari, Koffs et Soldat vont revenir, toujours avec le J, toujours avec le S. On va revenir, comme on l'a dit, Naps n'est pas là. Attends, Samir, mais ils vont refaire le morceau. L'G prend la place de Naps, il n'est pas là. Si tu te sens, L'G, tu vas prendre la place de Naps. Allez, et on va repartir sur. On va boucler la boucle autour de Bande Organisée, de l'hymne de ce projet. Et moi, je suis aux anges. Moi, en tant que Marseillais, je suis fier. Le J, est-ce que les mains. Ils sont en train de discuter. Peut-être l'occasion de refaire encore un petit bilan. Bien sûr. J'insiste un peu sur ce titre, Bande Organisée. On peut rappeler un peu les chiffres. De diamants en 39 jours. Ah, il se passe plein de choses aussi quand ça arrive. Ça y est, ça arrive. Et donc, ouais, pour ce qui est des chiffres, depuis sa sortie, c'est toujours numéro 1 du top single. Et ça fait 9 semaines, c'est quand même assez incroyable. Disque de diamant en moins de 40 jours, donc c'est assez incroyable. Alors, aussi. Et puis aussi le clip qui a atteint plus de 100 millions de vues sur YouTube en moins de 50 jours. Pareil, gros record. Et voilà quoi, donc les chiffres sont assez hallucinants. Monsieur Koffs, s'il est possible de vous mettre à votre place, s'il vous plaît. On a besoin de tout le monde à sa place. On a besoin de tout le monde à sa place. Monsieur. Je crois que. Le J. On arrive, le J, je suis là. On arrive vers la fin. La fin. Est-ce que c'est une fierté pour toi de voir tout ce qui s'est passé durant ces deux journées? Est-ce que tu l'avais imaginé? Est-ce que ça te donne envie de faire d'autres choses encore? Déjà, ça me donne envie de continuer à tu vois, à que ça se passe comme ça, genre, tu vois, entre nous, déjà à Marseille. Bien sûr. Créer des projets. Parce que, ouais. Ouais, créer des projets ou même créer des se rassembler sur des événements comme ça, de façon sur des événements. Ouais. Ça me fait plaisir autant pour l'ancienne que la nouvelle génération, tu vois. Ça me fait plaisir pour tout le monde. Et c'est intéressant parce que on dirait que c'est vraiment ça en fait qui pousse, c'est-à-dire le fait de t'es heureux quand tu fais plaisir aux autres, tu vois. Moi, ouais. C'est ça qui s'est senti. Déjà en fait. À la base. Partage. À la base, je fais ça déjà. Moi, ça me fait plaisir. Ouais. Mais ça me fait plaisir aussi de faire plaisir aux gens, tu as vu. Et c'est pas la vérité. Ça. Qu'est-ce qui s'en fait les couilles, sinon de le faire. Ouais. Sérieux, s'il le fait pas pour l'humain. Ouais. En vrai. Non, mais c'est ça qui est incroyable, vérité, tu vois. Faut dire la vérité. Il y a personne qui fait ça. Personne. Il a fait ça et personne ne le refera. Ouais. Le truc aussi que je voulais dire. Parenthèse. Excuse-moi, Logis. Il y a des choses aussi qui se passent à côté, qui est pas visible du public, qui est pas médiatisé, qu'il a fait et que voilà, il y a quand il te dit que personne ne l'a fait, les gars. On applaudit le J, les frères.
Bah écoutez, je vais en profiter. Je sais pas si vous l'avez dit. Je sais pas si vous l'avez dit tout au long de cette semaine. Là, je prends la place de Naps. Hein. C'est Naps qui parle. Okay. Bon, il faut savoir que Naps. Ok. Bon, non. Je sais pas si tu l'as dit. Enfin, si vous l'avez dit. Je sais pas si le J veut qu'on le dise, mais moi je tiens vraiment à le dire. C'est la première fois qu'un artiste décide de faire un projet, ok, sur lequel il n'est pas producteur. C'est-à-dire que tous les artistes sont producteurs. Ah ouais, et ça, c'est du jamais vu. Généralement, quand un artiste il fait un projet, il est producteur. Là, il a tenu à ce que tous les artistes touchent la même somme. Et ça, c'est important de le dire. Les et gars, on va l'applaudir. C'est incroyable. Merci. Les rouges, les gars. Non, mais c'est important. C'est le J. Chapeau. C'est important. Chapeau. C'est magnifique. Je me suis dit, tu vois, à la base, je voulais pas faire ça pour l'argent, déjà. Et je voulais faire ça aussi pour faire croquer aussi des gens qui sont, tu vois, qui n'ont pas la possibilité d'être un peu visibles et tout. Il y en a 20, ouais. Autant les faire croquer que ça soit... Que ça soit argent, que ça soit buzz, que ça soit tout, j'ai voulu, c'est quoi? C'est tout partager et tout le monde touche pareil. Ouais. C'est-à-dire tout le monde va toucher pareil sur ce projet. Équitable. Voilà. Je pense que ça se ressent vraiment pendant ces deux journées. Il faut souligner que c'est une première. Parce que crois-moi, on ne serait pas là à l'heure actuelle. Il faut souligner, vraiment, il faut souligner que c'est une première et pas tous les artistes. Et il ne voulait pas en parler, c'est nous qu'on en parle. Voilà. Lui, à la base, il ne voulait pas continuer. Rendons à César ce qui appartient à César. Je pense qu'on peut lancer le bande organisée. Merci. Jules César. Bon, vous êtes chaud pour bande organisée, les gars? On a connu celui-là. Écoutez-moi. On l'a trop écouté, on s'en bat les couilles. Ah, c'est carré, c'est pas un cri. Laïa, les gars, laïa. Allez. Merci. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Bien sûr. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Contresens, ma chérie, tu as contresens. J'étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Je venais faire la guerre. Par Dieu, c'est bé. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip. Que tu prends la KO. C'est Marseille, bébé. Ça m'est rassé, bébé. Wesh, alors ma race. Tranquille ou quoi? Crème dans la chop. Je fais 0 à 100, 2 secondes 3. Guitarisé. ACDC. On se croit, c'est sûr, j'ai tétanisé. J'ai passé la bague à Chiquita. 2 mois puis je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, je suis un abat, je suis un jackité. Je suis le capitaine, je vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 au G-Sport, je passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port. Miamol, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne pierre. T'es mort sur le vieux port. J'suis la zone sans casse sur un scooter quitté. Oublie là, c'est une poutale t'a quitté. J'suis ailleurs, c'est de la moula que j'ai frité. Depuis tout à l'heure que ça me nique mon piquet. Rafale, flow, bazooka, oh. J'ai des potes qui se déplacent au chaos. La moto elle fait brem 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 brem. Toujours la demande à Tico. J'suis dans le game en claquette sur bête. J'fuck les folles qui parlent de moi sur net. J'suis sous potion, la sur de toi sur le bête. Au fait, on grimpe, envoie les zéros sur le check. T'as toqué pas ça. T'as la cabeza. Gratata. Pour les mapper ça. À la cabeza, gratata, pour les mapper ça. Plus besoin d'aller chez Lacoste. Depuis que je fais d'or et platine. Et sur Twitter, je vois leur post. Nique leur mère, ce qui parle mal de la team. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Hasta luego. Hasta luego. C'est du 24 carats. Je rappe depuis les portes de Cara. La technique, le flow de malade. Artistiquement, on se balade. T'es Max Cascara, recherché à Kesh Mara. Je m'envoie une frappe imparable. Je fais couler son mascara. Le J, c'est le S. Genre le RS. Une glace épaisse, elle est belle qu'un APS. Le J, c'est le S. Genre le RS. Une glace épaisse, elle est belle qu'un APS. Yo,
au 16 ton baratin. T'es qu'un fils de baratin. Je commence le rap avec cet étroit. À la rivière, j'ai touché la quinte. Yo, je vise l'or, le platine. À la base, c'était les assises. J'suis un peu de Zampa, un peu de Zizou. J'offre un Ricard à Poutine. Les trafiquants dans le bâtiment cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir, pour te froid, c'est ta gog. Et ça fait Zumba, caféo, caféo, carnaval. J'suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale. Et ça fait Zumba, caféo, caféo, carnaval. J'suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Hasta luego. Hasta luego. Légal, illégal. Alpha, Omega. On fait coup d'état. Balle dans la tête, c'est la quinta. Poursuite, y'a les bleus. Serais-je sort à bleu. Terre, terre, guidon, logique. Par terre, tu sens balistique. Adieu, tchoucha. C'est une salvatrucha. Trafic haram, Marseille on trouve des cadavres. Marseille, hala, plus d'âme, les petits passent à la. Millie, je veux Millie comme l'OVNI. C'est fille à tout âge, j'ai fini. Ya, yeah, on ira l'ami ennemi. Ya, yeah, hey. On ira l'ennemi ami. Ya, yeah, hey. J'ai les poches pleines, tu me suis. J'ai fait le calcul depuis le calcul et lui. Ya, yeah, comportement dans la zone. Ya, yeah, comporte avec les hommes. Ya, yeah, garde ta pêche, moi j'ai la forme. Forme, t'es mini qu'on te déforme. Car c'est trop vrai, t'as le regard et le fond mauvais. Quand je galère, toi t'es refait. Oli, t'es mauvais, ta gadji, on l'a collé. Au parloir, elle a tourné. Cogné par des prisonniers. Tu dois des sous, sous, sous. Tu fais la malade, elle est boum, boum, boum. Pour de la monnaie, on te clique, clique, boum. L'alcool, on la glou, glou, glou. Tu dois des sous, sous, sous. Tu fais la malade, elle est boum, boum, boum. Pour de la monnaie, on te clique, clique, boum. L'alcool, on la glou, glou, glou. Wesh. Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? J'suis dans la zone, j'évite les putas, wesh. Moi j'écoute pas les gens, et ma Clio elle est sur les jantes. J'fais que fumer le jaune, des fois avec un peu de Marie-Jeanne. Hier j'étais bleu, j'voulais un Porsche, j'étais bleu. Y'avait le pain, on était plein, y'avait pas un, on était deux. J'suis dans le bloc, ma biche, dans la zone, c'est chacun sa quiche. Y'a eu des traîtres, des traîtres, des traîtres, nique sa mère, c'est rien, mais à liche. Au quartier, y'a de la vente d'armes, nouvelle perche, paye en espèces. Fais belle qu'il y a les gens d'armes, ils sont loin, c'est bon des stress. C'est tout pour la plata, retour de flamme, fou marmata. Ça danse en équipe, sur le champ des ratata. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant, hasta luego, faisant. Hasta luego, hasta luego. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant, hasta luego, faisant. Hasta luego, hasta luego. Merci, merci, maximum de bruit, maximum de bordel. Sur la mer, merci, merci à vous, merci. Merci à vous, à merci toutes, à tous d'avoir assisté à cette seconde soirée du Très Organisé. Ce soir, nous avons eu en live exclusif les morceaux Étoiles sur le maillot, wow. Magadji, Tout a wow. changé, wow. La nuit, wow. Warzone, wow. Je suis Marseille. Wow. Et également en bonne organisée. On espère merci. Vraiment que vous avez pris autant de plaisir que nous. Mais comme vous le savez, on va pas se quitter comme ça. Il y a une session de freestyle qui est prévue. Merci. Et maintenant, ça va briller. Soldat, Wari et Lams vont poser sur la première table. Oussa Gaza également. Est-ce que c'est pour la régie, est-ce que qui d'autre va venir pour le freestyle? Soldat, Wari et Lams, AS, De Beng, Siza. Et Tabichi vont venir pour la première table de freestyle. Et ensuite, on va enchaîner. Je sens qu'ils sont chauds. Merci à vous. Vraiment, vous êtes c'était le J. Merci à vous. Merci, merci, à vous. Merci la zone. Merci, merci le J. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux jours? Qu'est-ce que... Moi, j'ai trouvé que on devrait faire ça plus souvent. Plus souvent. Ouais, plus souvent. De temps et en temps. Voilà quoi. L'Algie aussi. Entre deux cafés. Entre deux cafés, comme ça, on se refait un petit. Que ça continue comme ça, entre tout le monde, tu as vu? Tout le monde, il y a une bonne entente. Ça reste dans la même énergie, je pense qu'on pourra faire encore des, façon, des grandes choses. Magnifique. Le groupe WhatsApp c'est à vie là. Le groupe WhatsApp voilà, est à vie, puis personne va le groupe WhatsApp c'est quelque chose. Sauzer quelque chose. Je pense que tu as prévu d'être sur le freestyle qui vient ou le prochain peut-être. Je vais fouiller dans mon i. Fouiller dans le i. Je pense qu'on peut laisser s'installer Allez, vas-y. Ouais. Les rappeurs pour la première grosse table de freestyle. Akirio. Soldat, Wari, Elams, Oussa Gaza, As,
complémentaire. Sisa, The Bang, Tabichi. On va peut-être aussi en profiter pour réexpliquer un petit peu comment ça va se passer. Bah, juste, ouais, je vais faire aussi un petit rappel pour. Je vais faire un petit rappel à caméra. On est diffusé sur le YouTube d'Oreille de Platine. On est sur l'Instagram de Deezer. On est, comme on l'a dit, enregistré dans. C'est dans les conditions du direct. Ça a été enregistré un peu plus tôt par rapport au couvre-feu et aux décisions gouvernementales, mais aucune coupe. Et ben, je crois que pour cette première table de freestyle, on va laisser une dizaine de minutes pour la première table. Et ensuite, on enchaînera avec une seconde table. C'est et ça. Plus si affinité. 3-4 tables. Impeccable. Voilà. Vous êtes chaud, les gars? On est chaud. Vous êtes chaud ou pas? Ouais. Les gars, vous avez 10 minutes. On s'est organisé la 10 minutes pour, okay. Pour le premier freestyle. Ok, Tariq. Marcel, Ché, la famille. Aïssa, Hakim. Si. Ouais. Voilà, Hamo. Gros pick up à Geeks, le sang. Okay. La famille, voilà, on ferme le sang. La famille, on en sort. C'est parti pour le premier freestyle. Ouais. Si, la famille. Ok, Marseille. Ya, solo, c'est comment? Moussa Gaza, tu as les doses. Ya. Je suis posé en bas du bloc sur la dalle. Yeah. Tu sais qu'on a la dalle. Yeah. Biatch, toi tu cavales. Yeah. À la BSE, elle arrive à te balle. On fait la bique, ravi des chercher sur la dalle. Yeah. Tu sais qu'on a la dalle. Yeah. Biatch, toi tu cavales. Yeah. À la BSE, elle arrive à te balle. Yeah. De la monnaie, c'est la guérilla. Clic boom, t'as pour faire le guerrier. Clic boom, Marseille, mentalité AK-47, bloc 17. Charbon du A1 au A7. Ça détaille des kilos et des plaquettes. Que des gonfas sur la A7. Arrive à la nuit, on fait péter la jet 27. Jouer les Axel Follet. Vodka, pomme, cassis, framboise à la ZZ. Grosse force à tous mes LZ. Au sommet ne pousse pas des ailes. Gros le pas, des pecs, Kaya Mamzel. On a combiné combat. On a fait du salison combat. Demande à tout va. Rafale, prends balle, ton pare-balle. Anti-banalisé. Prêt à tout briser. Halloween, sors ma fusée. Pas besoin de me déguiser. Ok, bim, touché, coulé. Pas besoin de me déguiser. Ok, où ça Gaza? Bande de Gaza, c'est la bande de Gaza sous la paire de Gaza. Quand la cache à l'GV, ok, où ça Gaza? Bande de Gaza, c'est la bande de Gaza sous la paire de Gaza. Quand la cache est vide, faudrait qu'on se taille vite, t'as chisé ou Gaza? On est passage, 22 000 euros, je te fais le passage. On me dit, fais pas ça, je m'en bats les couilles, j'ai des enfants en bas âge. Remplir le biberon, en bas de chez Fouette, j'ai vendu des litrons. Ouais, je voulais taffer réglo, je me suis tapé la seille, j'ai braqué le patron. Ben, je suis un fils de Klebs, si tu les écoutes, tu es un fils de Klebs. Hein, là j'esquive les louches, j'ai payé la caution et j'esquive les Hebs. Ouais, viens me rendre visite, je suis posé dans le sud, gros c'est calme ici. Ouais, les soucis nous visent, à 16 ans ici, t'as la calvitie. Ben, faudrait que t'anticipes, l'oseille ou la hesse, faut pas que t'hésites. Non, là c'est la cité, les petits sont excités, guetteurs en petit zip. Ben, Guitar on tu zip. Y'a les keufs derrière la porte. J'passe les vitesses, j'passe les rapports. Rafale sur le Mirador. J'ai failli perdre la vie avec un raptor. Si tu m'aimes, t'es la famille. Si me valiquer ta mère la guerre. J'ai de la beuh à la vanille. Et j'ai des pompes pour faire la guerre. On est fous, mais non, aucun gang. Tu prends des couilles, tu prends pour quelqu'un. Hein? On est sur le terrain. Depuis les portes de la mafia, quinquin. Ceux qui bougent pas pour ceux qui chient dessus. Muslim, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Je leur ai fait confiance et ils m'ont déçu. J'ai coupé les ponts, cache quand je l'ai su. Faites l'amour, pas la guerre. Je connais pas l'amour, donc je vais les baiser. Dans le game, j'ai pas de frère, pas de confrère, donc je vais les briser. Les paralyser, les traumatiser. Jusqu'à ce qu'on me dise, ouf, arrête-toi. Les victimiser, j'ai mémorisé. T'as sous-estimé, ouf, rappelle-toi. Hein, je suis en Versace, manque de l'OV, t'as une veste tachée. Non, je vais pas te cacher. J'suis ma frappe, c'est la buzz tachée. Hey, on a fait TB, posé dans le bloc, on a fait TB. On parle au fond, et tu fais pas d'effet comme la CPD. Ouais, on m'a assez pété, passé devant la juge, plus 36 fées. Hey, 36 gays, des orfèvres, trop suspects. Ben, j'ai pas la gueule de l'emploi, non, j'ai pas la gueule de l'homme droit. Bang, j'ai jeté la serra, pendant la poursuite, me rappelle plus de l'endroit. Check, c'est moins invincible. Ça casse la famille, désolé, la famille, encore plus long le texte. Herbel Gang,
très organisé en ensemble. Ça fait chaud, Marès. Ça pour toi, t'as la BNC. Gadis à Mayotte, ce sont les mêmes Z. Sont toujours les mêmes personnes qu'on plaque sur le sol, qu'on accuse ou pas des accusés. Que je fasse le propre du salis, s'en fout tous les cas, ça sera pas diffusé. J'efface le microbe au passage, sans roue, tous les rats, je vois que des alizés. Boum boum, ça va boxer. Ma pub blim blim, ça va taxer. Soirée parking comme dans le passé. Miskin, chaffé, chin chin, vers c'est cassé. Yes. AS, puissance non représente. MFC, 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 OK. QN. Organisé. Très organisé. On est très organisé. On est très organisé. C'est très organisé. C'est très organisé. C'est très organisé. Coup de tête, balayette. En bonne comme mienne. Game à quatre pattes comme chaîne. En bonne d'entraîne. J'y peux danser l'eau. Je veux l'assassin, ma warano. Planche, me relève là où est ta flanche. Les problèmes, tu les déclenches. Tu finiras entre quatre planches. Prends la force, donne la force. Scanne-nous à la Ken Flush. Jacta, quatre flashs. Premier qui perce, faut qu'il défauche. Tu bang, tu bang. Le malin jour ou l'autre, tu le payes. Sous le bridge, fais le pain. Moi, toi, tu es une arachie pain. Réelle vie, j'en fais l'apologie. Cache les reins avec des tarots d'anthologie. Je suis dans ta caisse, d'anthologie. Très organisé, et merci le J. T'inquiète. Je vais le consumer. Quand j'irai un peu avancé, faudrait qu'on s'y mette. Tous les jours, je me retrouve en fumette. Je vise le rap au fusil à lunettes. J'aime pas ce qui te descend pour monter. Plus on m'a trahi, plus ma rage est montée. C'est la merde, j'irai l'inventer. Mais j'ai un doulet tranquille à la santé. Tu fais le cap avec des chaînes. Pour des sous, tu enchaînes les missions. Faut payer le voyage au ciel. Quand c'est pas bien, je m'isole. Et alors, j'ai les dents en langue. Je parle à faire balai, coups, t'as le bras à l'an. C'est tout seul qu'on a fait nos galons. On a quitté l'argent face et on se découvert un talent. De gasoline, de moula et on démarre. C'est ton poteau, tu donnes le plan de ça au demain. C'est la merde, juste en bas de la bonne mère. Y'a des morts que des jeunes, c'est nos mères qu'on en marre. C'est le charbon qui fait vivre le quartier. C'est le territoire, y'a pas de quartier. Une embrouille RDC en moto. J'ai pas sûr d'en sortir entier. J'ai perdu mon temps à faire des midi minuit. 1005 de côté toute ta vie, ça fait pas un milli. Ça choque, tu peux être gentil comme Winnie. On galère toute la ligne que sa mère sauve Willy. Quand y a du bénéfice, c'est chacun sa mère. À Marseille, le meurtrier connaît souvent la mère. En gros, ça se finit en traços. Ça charbonne tout l'été, ça va pas à la mer. Anisé, on est très organisé. Et la tête est anisée. Car on est très organisé. C'est anisé. Très organisé. Ils sont chauds aujourd'hui. C'est ça. Ta tête écrasée sur palier. Tu vas jamais rafaler. T'es donc à parler. J'ai les pénalties, les coups francs. Et tu sais bien qu'on a tout fait. Tu dois te calmer. Un homme averti en vaut deux. Deux hommes avertis en valent quatre. J'arrive dans le tas. Canon scié sur mon épaule. J'arrive trop chaud comme à l'époque. Plus de ta tête. J'ai même pas pourquoi ils m'en veulent. Je vais leur tirer Dieu en plein vol. Je suis sur le sol. J'ai de l'or noir comme le pétrole. Ne m'appelle pas si ça picole. Pourquoi mes sous-sols. Je ramène du bif. C'est pour la mythe. Même si la mythe ramène. J'en ai trop. Je les prends en large en travers. Devant, pas derrière. À l'endroit, à l'envers. Oh, oh. J'ai la vista, la vision, la visée. Je vise haut, je vise air. Tout derrière la visière. Quand je vais rentrer, pas tomber. Je suis rentré devant l'entrée. C'est d'entrer, sortir de la misère. J'ai mon truc appliqué, imbriqué. Mais le feu, je suis impliqué. Pas le baptisé. Pareil, je suis pareil. Pareil, je suis pareil. Je suis pas haut, je suis pareil. Je frappe comme un bouton. Très organisé. C'est très organisé. Le groupe s'accélère. Elle fait genre elle est pas assez libre.
Holiday Inn, connu, reconnu dans toute la ville. C'est le monde la nuit, parlez qu'à la patresa. Elle fait la belle à Vaquessa, elle va te laisser en vrac un peu comme Bielsa. Oui, à ses yeux, tu n'es qu'un petit client. Elle en a rien à foutre de ton passé de brigand. Madame de Dieu, toi bien qu'elle ne perd plus son temps. Elle a joué de son vice, elle a fumé nos bénéfices. Plutôt rien que tu glisses, elle c'est pas la locale, c'est la pétra du vide. Elle a joué de son vice, elle a fumé le bénéfice. Photo rien que tu glisses, elle c'est pas la locale, c'est la peu fra du riff. Ah, hein. C'est très organisé, c'est très organisé, c'est très organisé, bah, très bah. Organisé. Et merci que la zone, c'est très organisé. Tu veux partir de très bon. Très et merci bien, c'est carré. C'est les prochains venir, les frères. Le très très gros freestyle. Et force à tous les frères enfermés, on vous oublie pas, les gars. À lui, Baumel, tout le monde. Dédicace à Lyon, Rio, la très gros freestyle. La Bussouli. Dédicace à la Caillole. Bravo, bravo, très très gros freestyle. Ça met la pression pour la table qui vient. C'est lourd, t'as vu. Très très. Moi, je vous mets la pression. Moi, je mets pas la pression, moi. Ça a été bon. Ah, vous là, tout le monde l'a entendu, mais là, il est très très bon. Narges, tu penses c'est quoi de ce freestyle? Ah ben bah, c'était très organisé. Ah hein, moi c'était très organisé. On a senti la. Ouais ouais, l'énergie. La puissance, la tension. T'es prêt à accueillir. D'ailleurs, on accueille accueil une nouvelle table. Ouais. On accueille une nouvelle table. On accueille. Alors Tabichi, Saf, Bilka, Zbig et Kamikaze vont nous rejoindre. Saf qui n'était pas là tout à l'heure, mais il va bien se rattraper, on n'en doute pas. Avec son pas, avec son... Il va donner le meilleur. Il va donner le meilleur. Ah, il rentre. Installez-vous. Monsieur Tabichi est là. Oui. Les gars, la table précédente, elle a mis le niveau... Je vais dire un truc. T'as entendu? Vas-y, bien sûr. Tu montes le micro, s'il te plaît. Akaku, je ne t'ai pas vu pour le moment. Akaku, après, tu as vu, tu peux mettre la prod 1. C'est une demande Monsieur Saf, de la direction. Comment ça va? La forme? Comment ça va? Tout va bien? Désolé du retard. Est-ce que vous avez un justificatif, monsieur Saf? J'ai l'attestation. Attestation? Votre carnet de correspondance? Ils sont des géants. Ils sont des géants. Vous avez un très beau. J'en profite, vous avez un très beau t-shirt, monsieur Saf. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Carbozo, la marque, la mienne, celle du frigo. Ok, ah, je ne savais pas. De ma production. Disponible via le site, il y a tout. Hein. Très très beau, très. Le site, c'est quoi? Carbozo.com? Tout simplement. Ok, super. Bon, vous n'êtes que trois. Monsieur Siza. On m'a proposé de revenir. Et vous avez accepté. Et vous avez et bien fait, monsieur Siza. Et ben, ah, c'est je... bien ça. Mais par contre, il faut faire mieux que ce qu'encore le gros couplet que vous venez de faire, monsieur Siza. Hein je j'ai confiance en vous. Pourquoi je vous vois, les gars? Pourquoi tu vois? Moi, je sais pas. Parce que je les respecte trop. Ils sont trop puissants. C'est la nouvelle génération. Mais ils ont mis. Des grands messieurs, quand même. Vous êtes des très grands messieurs, très grands rappeurs. Je commence. Kamikaze Zbig nous ont rejoint. Kamikaze Zbig. Ben, je pense qu'on peut. C'est la mélancolique, Saf. Ouais. Kaku, après, n'hésite pas à mettre la première prod, la trappe. Bon, je vais apprendre sur la mélancolique. Vas-y. Si tu rappes pas dessus. Allez, je pense qu'on peut, envoyer. C'est parti. Arrête de vouloir voler, toi. Jamais. Ah, pourquoi? Parce que je suis un arabe. Ah, je sais pas. C'est le très organisé, frangin. C'est les envois. Ils envoient ce qu'ils ont. Let's go. Saf. Ça arrive. Hey. Très organisé. C'est les hommes bambins. Hey. Monsieur Carbo dans la maison. Carbozo, les hommes. La voix du Sinaloa. Les rosiers. Hey. Hey. Saf. Hey. Yes, sir. Hey. En temps de crise, désorganisé. Je suis venu faire mon bif et ciao. Je suis pas là pour faire juste jouer et sympathiser. Yes, à 22 piges, je suis la fierté de mon tchèque. Je pars à la guerre, mon ennemi c'est moi-même. Y'avait dit, ben maillot cachir quand y'avait des sorties. Une pièce de dingue, après seul à midi c'était mon budget. Bang, bang. Il finira en temps, je me rappelle, il disait. C'est quand plus tard ça paierait pour voir mon visage. Yes, elle est où t'as les didi? Sous les draps d'un autre, j'inscris ta main droite. Solo tu t'endors, ce soir tu vas geeky. En bruit, moi j'ai fait paniqué. Tout ce que je veux, moi c'est les niquer. Mais ma maman m'a dit, fiston t'es pas con, mais non ça jamais. Beaucoup t'ont trahi, ouais c'est cela de mais. J'appelle Benny ou RC. Mara m'a dit, à vous ça y était lancé. Merci Dieu, j'ai retrouvé mon frère après 6 ans de merde. Et mon plus beau cadeau, c'était le sourire de ma mère. C'est que j'en ai un, mais je ne sors pas trop. Ça fait pop, 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 pop. C'est le son de la police. Pop, 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 pop. En 2020, c'était la crise. J'ai pris les bagages pour tailler de là. À l'aéroport, ils m'ont dit que j'avais une fiche. Pop, pop, c'est le son de la police. Pop, 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 pop. En 2020.
sûr. J'ai plié bagage pour tailler de là. À l'aéroport, ils m'ont dit que j'avais une fille. Ouais, me bip pas, moi j'suis pas ton pote. Dis-moi d'où on se connaît, ouais, hey. Tu connais. Moi j'ai pas changé, j'peux pas tout donner. Toi j'te connais, je vendrais ton cul pour un petit peu te donner. J'ai trop zoné, j'suis avare de problèmes, j'ai le cœur ballonné. Faut que j'me prépare, j'te fais pas confiance. Je sens que tu vas me baiser, j'mets les pleins phares. J'suis seul conducteur, tout le reste c'est pas chargé. Accroche-toi bien, c'est chacun et sa mère. Quand le bateau chavire, j'suis le meilleur. Et j'deviens meilleur quand ça va de pire en pire. Regarde-moi bien, écoute bien, tous tes potes c'est des salopes. Ça fait les voyous pour pas un. Et quand ça tire, tout le monde galope. Regarde-moi bien, écoute bien, quand t'as de l'oseille, ils te mandent là. Et une fois que tu te retrouves par terre, personne trop lève. Tout le monde s'en va. Je suis dans le poulailler, pas le temps pour brailler. Je vais pas détailler, j'encaisse les coups comme Ali Poumaillé. Faut que je parle ailleurs, j'ai des valeurs un peu comme Tom Sawyer. La vie c'est pas un film, je suis sur écoute. Je suis comme dans The Wire, j'ai des essayeurs. J'ai fait rêver que me prenais une balle dans la tête. Mon frigo était plein et conservé du plan dans mon assiette. Faire une boule à Z, coup de tête de DZ sur ma Terrazzi. Je reviens du dessert, je desserre, je veux pas de Maserati. Technique de Verratti, tu verras Yas, toi depuis le perso. J'ai du mal à faire comprendre, je crois qu'ils ont brouillé mon réseau. J'ai toujours raison, j'ai mes raisons, je reviens à la raison. Je me lève à la maison, je fais tout et je vais m'endormir en prison. Les doigts dans la prise, y'a pas de fil conducteur. Par la profiteur, j'suis dans le A, j'suis toujours à l'heure. J'ai la A, j'viens d'en bas, pas de plan A, j'vais te plomber. J'suis en bas, j'vais monter, j'vais rentrer, j'vais leur montrer. Ouais, j'suis prêt, ouais, t'es prêt. Entre nous, y'a pas de secret, hein. Mais au final, gros, t'as baisé mes secrets. Oui, viens voir, j'ai le cœur noir pour voir. Faut que tu vois pourquoi, faut le vouloir. Si tu me crois, faut le faire. Si tu me crois, faut se taire. C'est les hommes bambins. T'as bitchy frangin, écoute ça, A45S, couleur métallique. J'observe la voie lactée sur le toit panoramique. Gros, j'ai grandi dans ce tube, mais j'ai fini dans ce tube. Penses-tu que si t'as tes règles, j'peux te la mettre dans le cul? J'ai de la 09 qui vient pas de Bogota. Elle vient de Consola, la tour c'est Moanama. Elle dit rancité, dis-moi à quoi ça sert. Si les petits guetteurs font tout sucer ta soeur. Moteur débridé, j'fais le tour de la cité. Faut mailler, j'arrêterai quand le cannabis sera légalisé. J'veux faire des mappés, j'suis déterminé, tu le sais. J'm'en bats les couilles du SMIC, j'veux le PIB. Même avec le scroll, t'es jamais à l'abri. Sache que même Offset a trompé Cardi B. Dans l'écurie, à moins j'vaux pas Gary. Ça me reconnaît quand je touche à l'abri. Yes sir, ça les gens bambins. Très organisé, frangin. Speak. Mario, Kakou, envoie la prod s'il te plaît. Envoie la prod, Kakou. Envoie la prod, Kakou, s'il te plaît. Très organisé. Speak dans la maison. Dans la gorge. Un trace sur la plaque, le sang. Un trace sur la photo. Un trace sur le kilo. C'est pas celle-là, le sang. C'est laquelle, le zien? Panneau, hein. Je l'ai envoyé en plus. Je l'ai envoyé à l'autre. Voilà, c'est celle-là, Kakou. Speak. Bariole. Speak. C'est très organisé, okay. Ma gueule. Hein. C'est la 13. Bariole, 1-3 Marseille. 13, quand ça me fait du 13. Frappe du 13, quand ça me fait du 13. J'entends Spix, tu pèses le front quand t'es mort. Ça tombe à pic dans pas trop longtemps que j'accélère. Ils me croyaient pas quand je leur disais que j'ai le démon. Dans l'équipe, comme tous tes rappeurs, on les démonte. Je suis pas trop pote, lève tes mains. Carbo, ça récupère terrain. Dans la plaque, je vais la serrer. Avec un couteau souterrain. Dans la street, ça marche rien. Je te parle pas de super héros. Dans le calbar, y'a les couilles. Mais dans les poches, y'a zéro. Le minot, il rêve de femme avec sa petite falbala. Petit morceau de rêve là. Et ta chaîne, qu'est-ce qu'elle a? Dis-moi, qu'est-ce que c'est pas à l'acte? Et que ça, je fraise de là. Ne tombe pas ta veste là. Ou je te règle du testament. Musique chasse pour m'épauler. Pareil que tu trouves ça étonnant. Ça me dit, big, ouais, c'est comment? Y'a plus de tête maintenant. De carré, tout ce pétard. Ça te le dit ouvertement. Demain, tu te lèves. Il faut des francs. Demain, y'a pas de traitement. Avec demain, tu vends. Tu vends. Tu sors tes couilles. Tu montes un cran. Tu veux montrer qu'il y a plus de petits, plus de grands. Non, c'est pas ta bataille. Va nous faire dégoupiller. Je m'en fais à ce billet. Depuis tant où je roupillais. Dans la cache, je suis outillé. La boîte à gants, c'est mon billet. Nanana, Speak. Très organisé, mon pote. Merci. Ouais, voilà. Yeah. Samika, la calache, la calache. La calache, le cas, le cas, le cas. Tu peux changer la prod, s'il te plaît. Kami Music 1. La calache. Si c'est possible. La calache. Kamikaze. La calache. Kamikaze. Le TNT. Problème technique. Kakou, c'est comment? Ça bug ou c'est comment, Kakou? Ils sont en train de la de cailler l'instant. Ok. La régie, envoie-nous ça, la régie. Tu peux monter le son, s'il te plaît? Trop choqué en régie, les gars. Ah ouais. L'homme soumis, on arrive en grosse équipe, tout comme Liverpool.
Ça vend de la neige, oh, pour nous l'hiver est cool. Marocaine du Rive, gros, ça vient de Hekenoul. Je fais la star, mais tu touches 10%, t'es qu'un Rioul. Salope, c'est d'où on vient, j'ai toujours les pieds sur terre. Pour même pas 10K, ils vendraient les repères. Dans nos jeux, ça veut tasser pour frimer dans le golf R. Que tu parles, toi et moi, nous savons que tu vas faire R. Nous en bas les couilles de toi et toute ton équipe. Le premier calibré, si tu es armé que dans les clips. La sera dans le slip, ça va pointer à la spiff. Galerie avec des gueules, maintenant ça veut tailler des pipes. Devant, tu fais le sûr, après des arts, t'envoies des pics. Hein. J'entre dans le game avec un 2, un roi de pique. Hein. Fais pas le gros parce que t'as pris un peu des pecs. La hagra se perd, regarde ce qu'on fait, les micros passent des pecs. Mets-toi sur le tech, tu suis plus tes gros élans. Ça mise tout sur les pecs, bombé comme des goélands. Ça fait 10 minutes qu'il est là, il me prend la tête avant de lui mettre un coup de tête. Gros, j'ai pris un gros élan. J'suis dans mon élément, on aime le rap sec. Une nouvelle une porteuse, à fond sur la AP7. Minimum, il faut un head hair tellement gros que tu pourras pas le poser sur la pesette. J'aime le bif quand c'est tout rond. Ramballe ton couteau à bourron. Ils sont bons qu'à jalouser, hein, parce que faire pareil, jamais ils pourront. J'connais des mecs millionnaires qui ont faim comme s'ils pesaient pas un euro. Ça doit des sous, mais quand faut payer l'abduction, ils sont pleins de pirouettes comme Philippe Candelero. Poto, de nos jours c'est tout pour l'euro. Ça sert les chiens à manque d'héros. Dans la sacoche, le prix d'Enda 500 d'héros. Archiche dans la Marlboro, mode de vie Sicario. Monte à Paname, j'suis posé au télo vers le Trocadéro. Le péage tombe plus qu'un réseau. Même quand on a tort, on a raison. J'vois trop de fils de pute à l'horizon. Beaucoup trop font les voyous, faut leur faire un temps de sang, des munitions. Poto pour les faire revenir à la raison. Poto floraison, faut ramener du falazon. J'suis attendu comme un réseau qui attend la cargaison. Entre toi et mon fils de pute, y'a aucune comparaison. 20 000 euros pour une veste, ton pôle de cul de vison. Ouais, la putain de ta mère. Ça veut surfer des tsunamis. Minimum, faut gagner 3 fois ce qu'on a mis. Ça lâche des tacles à la gorge. La rue, c'est pas qu'on a mis. Si tu restes dans la merde, c'est que c'est pas ton ami. Ils sont pleins de bails de sorciers. Ça la brimballe ton gris-gris. Ça prend des bouts à 10 à 2, ça fait des gris-gris. Je rentre avec nous dans un quartier LG. Faire qui crie. Ouais, ça fait une terre en bruine, des terres qu'on fait écrit. Si t'as un gars, jamais il oubliera. Il peut revenir se venger sur un gilet rat. À l'affût, toujours à l'affût dans le dos. Je suis parano même quand je me promène sur la rivière. La calage, très organisé en première page. Soldat qui rit quand tu passes, passe. Y'a l'équipe qui dépasse, passe. Stop, on change de place. Laisse-moi le volant que je roule à balle. Y'a des ballons, y'a des balles. Tout est dans la malle. Tout est dans la malle. Arrivé à destination, on fait la malle. Cric, j'allume mon cogne. J'suis trop parano, d'entrée je cogne. D'entrée je cogne, je suis trop parano, d'entrée je cogne. Bien sûr qu'on fait les sommes. 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 Quand j'arrive ça fait bang. 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 Quand j'arrive ça fait bang. Bang. Ouais, j'ai bugué. Bang bang. C'est les hommes bambins. Très organisé, frangin. C'est les hommes bambins. Très organisé, frangin. Deuxième le dur, lourd, toxic zère. Merci, t'es lourd. Juste un truc. Terry God, tu es un monstre. Par là, un minimum, un maximum. Attends, deux secondes. Un maximum de prix pour Terry. Deux secondes. Pourquoi pour Terry? Tariq, je t'ai transmis en américain. Tariq, ça me va aussi. Tariq, c'est Tariq, les gars. Donc, attends, tu disais un maximum de bruit? Un maximum de bruit pour Tariq. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche, les gars. Merci beaucoup, merci à Nouvelle Génération. Merci Tabichi, merci Saf, merci Siza. Merci Narges aussi, les gars. Maximum de bruit pour Narges aussi. Maximum de bruit pour Narges. Et attends, frérot. Grosse dédicace à mon négro, smoke et criminal, on est ensemble, mon frère. Grosse dédicace également. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, deuxième table de freestyle. C'était lourd. Ouais, en fait, moi, je sens qu'ils veulent pas lâcher le micro, mais j'aime bien, ils sont déter. Mais ça, c'est la nouvelle génération. Ouais, ça. Ça, dans quelques années, les gens diront, ce sera des grands stars. Là, on a la chance de voir l'éclosion de ces talents. Ouais. Et c'est, moi, je trouve que c'est un bonheur et je pense vraiment. J'en postillonne et tout, tellement je suis ému. Je vois que ce projet, il révèle aussi des gros talents. Il confirme d'anciens talents, des talents qui sont là depuis plus longtemps plutôt.
Et là, il y a des nouveaux talents. On a vu Tabithi, on a vu Siza, on a vu Zbig, on a vu plein de on a vu Saf, plein de cette nouvelle génération. Ouais, et c'est vraiment. Pourtant, je pensais être calé sur le rap marseillais depuis des années. Là, je me dis, là, je suis en train de gagner du temps. Hein, vous l'avez compris. Hein. Mais en plus, c'est vrai, parce que vraiment, je le pense réellement. Et c'est nouvelle génération. On peut enchaîner, je pense. Non, c'est la fin même. C'est. Ah, c'est la fin. Il y a plus de. Ouais, je sais, t'as envie de continuer. Mais non, j'ai presque envie d'aller les chercher. Mais on se revoit. Bon, bah alors, on se revoit vendredi. On était pour c'était la deuxième date, donc on a fait deux soirées, comme vous avez compris. On a présenté l'ensemble des morceaux du projet très organisé. Vendredi, ce sera un peu différent. Il y aura une très grosse surprise. Vendredi, 21h, ça va être historique. Vraiment, je pense qu'on peut le dire, ça va être historique. Ce sera toujours sur le YouTube d'Or et de Platine. Mais pas que, j'en dis pas plus. Ce sera sur l'Instagram de Deezer. On espère vraiment que vous avez kiffé, parce que nous ici, on a surkiffé. J'en suis encore vraiment ému, j'assume. Et rendez-vous 21h, ça va être historique. Ça va être énorme. Vendredi 21h. Merci à vous. Passez une bonne fin de soirée et faites attention à vous. Narges, merci à toi. À bientôt. Ciao.